Les Warriors, 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 bonjour. Je mirai jamais la nuit au visage. Ouais, comme mon visage brille. Je mirai jamais la nuit. Bonjour. Je vous ai parlé, je crois que ce matin ou ce quand-là, parce que vous savez que moi, je n'ai mis qu'au sommeil. Je vous ai dit que ça m'attriste beaucoup. Oui. Laisser une maison comme celle-ci vide, sans personne dedans. Vous comprenez? Je l'ai dit parce que j'ai mal au cœur. J'ai toujours aidé les Camerounais ici en France. Les Camerounais m'ont déçu. Parce que quand je regarde aujourd'hui, le nombre de Camerounais qui souffrent, voilà l'hiver qui est dehors. Un Camerounais, quand tu le prends chez toi, au début, ça va. Parfois, quelqu'un finit de manger, enlève le plat, non. Le mauvais comportement, c'est quoi? Pourquoi ça ne me fait pas plaisir de fermer ma maison? La maison, c'est pas parce que c'est 2 ans, 1 an, sans personne dedans. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est bien? Les Warus. Non. Qu'est-ce qu'il y a? On te tend la main. L'eau, tu ne perds pas. Le courant, tu ne perds pas. Le fait seulement qu'on te dise seulement que donne rien, même une comme moi, je m'en fous carrément. Les Français m'ont tendu la main. J'ai aussi tendu la main à mes soeurs. Mais vous, les Camerounais, c'est le problème matin, midi et soir. C'est quoi vous avez fait sur le village? Les gens m'ont écrit, pardon, non, je ne peux pas. Je suis désolé. Et c'est à cause de vous. Moi, ça me fait mal. Je vais fermer ma maison là. Il y a des gens qui vont passer Noël à manger le kebab dehors. Il y a des gens qui vont passer Noël, les Camerounais vont passer Noël dans les métros. Avec votre mauvais comportement. Toujours vous mesurez à l'autre. Quelqu'un te tend la main, viens rester avec moi. Après, regardez-vous. Vous êtes quitté alors chez moi ici pour aller dehors. Vous errez là dehors, dans les hôtels, miteux. Pendant les fêtes de Noël comme ça, je laisse ma maison aux gens ici. Les gens viennent manger ici. Je suis pas là, oui. Ils arrangent bien mes choses, bien ils partent. Ils disent que ma veuve, je laisse. Je dis que quand vous partez, laissez-moi les clés, chérie, chérie, chérie. Vous comprenez? Je dis qu'en partant, vous me laissez mes clés, chérie, chérie. Oui, ça passe comme ça. Donc, ça me fait mal ce que je vais faire là. De ne pas laisser une personne ici. Ça me fait très mal. Je suis comme je suis. Personne n'est parfaite. Mais le peuple camerounais, les Camerounais sont très méchants. Je ne vous mens pas. Tu prends une Camerounaise, tu mets chez toi. Même si au début, elle montre un visage idyllique. Elle montre un bon visage. Mais après, mouf, elle devient ta co-épouse dans la maison. Voilà le problème qui se passe ici. Tu vas prendre une Gabonaise. Une Togolaise, une Équato-Guitéenne, vous pouvez prendre n'importe où, mais dès que tu prends une Camerounaise chez toi, non. Mais ça me fait très mal. Vous comprenez? Je suis là, voilà, deux chambres. Là même, vous savez que moi, je suis toujours au salon. Quand je viens me coucher ici, ça veut dire que le jour là, peut-être que la colonne vertébrale ne veut plus que je reste d'abord au salon. C'est là que je viens courir ici, dans la chambre, que je me pose tendre pour mon corps ici. Ou si j'ai mon copain qui est là, je viens aussi dormir ici avec lui. Les Camerounais, changez votre comportement. Oui. Moi, je ne vous mens pas. Oh, personne ne m'a jamais aidé en Europe. Personne. Je dis que personne ne m'a jamais aidé en Europe. Même si j'ai habité chez quelqu'un, je payais le loyer et je partais quand je voulais. Qui m'a aidé ici? J'ai aussi tout débrouillé tout seul. Je dis que tout seul. Mais vous, on vous tend la main. On vous tend la main, on vous tend les bras. Si je mange, j'habite chez qui? C'est peut-être que j'ai oublié. J'habite chez qui? Ça fait combien d'années que je suis en Europe? Si je vous mange, les gens qui viennent rire là, oui, moi ça me fait mal parce que j'ai parlé ça, je viens de me lever. J'ai lavé mon visage, j'ai dit que bon, je vais un peu parler encore cette histoire parce que les gens m'ont écrit, Damien, parce qu'ils veulent venir.
Parce que le Camerounais, quand il te demande, ouais, ma, pardon, aide-moi, ma, je veux me comporter comme ça. Ma, c'est ma. Mais après, ce n'est plus ma. Deviens les co-épouses dans la maison. Tu demandes que tout le monde discute ou quoi? Comme on les a dit qu'à Niver, on ne chasse pas les gens. Moi, à Niver, je ne chasse pas qui? La seule Camerounaise qui chasse les gens, moi, à Niver. Mouf. Je suis la seule Camerounaise que à Niver, j'appelle sur la police. Police, c'est madame Desclément. J'ai une personne habite. Maman, la police te demande seulement que sort. Depuis des années. Parce que ici en France, les gens pensent qu'on dit que non. Allez, quoi? On dit que on ne met pas les gens de Wanivers. Moi, je mets les gens en hiver chez Wanivers quand je décide que tu pars, tu pars. Parce que c'est ton comportement. Je te demande pas, quand tu vis chez moi, je te demande pas que va me payer l'aspirine. Va me payer la Moi-même, je me débrouille tout seul, je fais ma nourriture tout seul. Parce que d'abord, je suis très compliqué pour manger. Moi, je me bats tout seul, je fais mes choses tout seul. Mais Warus. Alors, le Camerounais a un mauvais comportement que je parle en tant que Camerounais, je suis Camerounaise. Moi, j'ai habité chez les gens. J'ai habité chez une soeur à moi en Belgique. D'abord, c'est mes valises qui étaient là. Moi, je faisais mon bar, tout dans les bars à champagne à l'époque. Donc, il fallait seulement avoir là où tu poses ton sac, non. Toi-même, tu peux te débrouiller dehors. Donc, je ne vivais pas là-bas. Je me suis débrouillé toute ma vie. Moi, je vous dis. Je me suis séparé avec les gens dans l'harmonie. Même la dame qui avait pris mon passeport. Je n'ai pas envie de vous raconter l'histoire de mon passeport là. Parce que moi aussi, j'ai eu ma part de dose ici en Europe. Aujourd'hui, elle et moi, on parle ensemble. On discute ensemble. Parce que mon comportement, la douceur, je suis très douce. Je n'aime pas le vous. Maman, c'est toi qui connais comment tu dis. Pas de paix. Attends, on t'a dit que quoi? Pas de personne n'est belge, oui. Mais, les personnes n'est belge. Quand tu viens ici, tu sais pas que je t'amène à la mairie pour te dire que j'ai belge. On t'a pas dit ça. Hein? Nous, comment? Quand tu viens habiter ici, hein, même si tu as les papiers ou pas, on parle au commissariat. Dit que j'ai dit que j'ai belge ma soeur. Là-bas, je te fais un tour de belge. Dit que. J'ai hébergé ma soeur pendant 3 mois. Chez moi, j'ai hébergé ma vie. Comme ça, après 3 mois, si tu veux faire les problèmes, si la police arrive, tu pars. Et à sa mère, c'est certain que quand elle sait que c'est ma soeur, je ne fais rien. Et ce sont mes soeurs là qui me tuent toujours. Mais oui, il y a. Non, ce n'est pas ça. Ma soeur, c'est qu'on peut aider les gens. Moi, ça me fait mal parce que je sais. Si vous connaissez le Cameroun, c'est le pays qui est. La plupart des Camerounais sont sans papier ici en France. Est-ce que c'est normal? Est-ce que les blogueurs là, vous parlez de ça? Hein? Voilà les thèmes qu'il faut parler. Les gens qui ont les vues ici à Facebook, qui se vantent, qui ont les meilleures vues là. Il faut parler de cette histoire. Je vous dis que la plupart des Camerounais sont sans papier en France. Oui? Comparé à d'autres pays. S'il y a 100 Camerounais en France, 30, 60, 90, 80% des Camerounais sont sans papier ici en France. Il faut parler de ça aussi. Vous comprenez? Je dis 80% des Camerounais sont sans papier en France. Qui parle de ça ici? Ils préfèrent rester. Ceux qui ont des papiers restent chez eux, ils dorment toute la journée. Ils donnent les papiers à leur date d'aller travailler avec leurs papiers. Pour à la France, c'est qui? Oui, tu peux. C'est ce que j'ai dit. C'est ce que je dis. Mais parfois, par mesure de sécurité. Mais oui, bon, toutes les filles qui sont venues qui ont beaux arts, qui sont sorties de l'Italie. Moi, je les ai fait le tour d'hébergement. Oui, parce que. D'abord, il faut aussi comprendre les gens aussi, tout ce que la plupart des filles qui sont de l'Italie ne sont pas sans papier. Elles ont des papiers, qu'on appelle ça, asile politique. C'est ça, non? Elles ont des papiers italiens. Hein? Oui. Mais le problème, c'est que ça ne marche pas en France. Oui, mais quand elles arrivent, elles accouchent ici, ça peut marcher aussi. Oui, non, moi je dis, pour certaines. Moi j'ai hébergé beaucoup de gens ici, hein. Beaucoup même d'ailleurs, oui.
Beaucoup, même les gens qui viennent en province, viennent souvent rester là. Elles ne me dérangent pas. Je ne les dérange pas. Moi, tu peux vivre avec moi. Hein. Si je dis que je m'installe ici dans la chambre, si. Tu entends seulement comme ah, bonjour, madame, ça va. Combien j'ai bêché ici? Je te dis. Vous savez combien de gens j'ai bêché ici? Il faut parler de ça. Parce que quand il veut parler, qui veut écouter? Tu sais que moi, quand je parle de mes choses, personne n'écoute. Après, quand on dit que la veuve avait raison. Je ne vous mens pas. La plupart des Camerounais sont sans papier ici en France. C'est moi qui vous dis. D'autres se contentent seulement de faire les bambas. De faire les papiers d'Espagne. Parce que les papiers d'Espagne, ça joue aussi ici. Certains papiers aussi, l'Italie joue ici. Je ne sais pas comment ils font là. Il y a les faux papiers. Il y a tout ici, il y a tout. Même si vous avez un faux passeport, il y a tout. Comme vous le voyez là. Vous faites très attention. Le Camerounais est très paresseux. Le Camerounais n'est pas allé chercher sa part de vie. Le Camerounais adore quand tu as ta vie, il vient s'asseoir, il fait la loi. Je vais te plaindre qui? Natacha, je demande quoi à ce problème-là? Parce que moi, je parle, vous n'écoutez pas. Ça fait des années que je dis que la plupart des Camerounais, les Camerounais, est-ce que vous voyez une ding 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 ici à Facebook, la plupart sont sans papier. Je dis sans papier. Voilà le problème. Quand une personne qui sait parler en vrai français vient aussi parler sa part, que les Camerounais doivent chercher leur papier. Ça va coûter quoi? De trouver un blanc ou un noir, je ne sais pas où mettez même un an de votre vie, vous portez des enfants. Voilà les petites filles qui sortent de Penouza, qui ont voyagé. Elles ont les papiers et les maisons avant celles qui ont voyagé normalement ici. Est-ce que c'est normal? Tu vois une fille avec qui tu es venue ici, que tu as trouvée ici. Qui a fait 30 ans de mains sans papier, 20 ans de mains sans papier. Tchaï! Et c'est elle qui va s'asseoir à Facebook. Oh, la loi française dit que quand tu as fait 5 ans dans les territoires, tu peux demander les papiers. Vous savez, quand vous écoutez les conneries pareilles, c'est vrai que quand même que quand tu as fait 5 ans dans les territoires français, avec ton passeport que tu as voyagé avec, tu ne peux plus, on peut pas te rapatrier. Non. Bon, dans ce cas-là, tu vas te mettre dans une association qui peut te faire avoir des papiers en travaillant, en faisant certains petits jobs et tout. Il y a beaucoup de façons d'avoir des papiers, mais moi, je ne comprends pas. Hein. Comment? Maman, tu vois, les Congolais ont les papiers. Les Aïwa ont les papiers. Les Ivoiriens ont les papiers. Mais la seule communauté qui est lente pour les papiers, c'est les Camerounais. Je ne comprends pas. Si vous voyez le nombre de filles qui sont à Facebook, quand je les vois mettre les bouteilles à Facebook sans papier, tu dis, regarde-moi, c'est elle vient montrer quoi. Tu dors où? Non, parce que quand moi je parle, vous ne comprenez pas. Ça me rajeunit. Je me flatte. Parce que moi j'aime les flatteries, non? Mais oui, non. Merci. Non, mais en tout cas, non, je vais appeler le loup tout à l'heure là. C'est ce qu'elle dort, quoi. Moi, hier, j'ai reçu mes invités. C'est là, j'ai commencé à avoir un peu mal à la tête. Je voulais boire la vodka pour pleurer le matin, c'est juste que je ne pleure pas. Vous savez que moi, vous voulez me faire voir pleurer, je bois la vodka. Ça me donne ma choquée, que je ne pleure plus. Parce que quand il a commencé à pleurer, Antoine Bachemar, comme mon panier, il va les mettre dans sa page. Si vous voulez me voir pleurer, vous voulez me voir pleurer, mettez-moi la photo, bouffe. Je veux penser à Monsieur Degré. Non, j'ai déjà fait l'expérience. Il y a tout ici, chez moi, bon. J'ai déjà regardé j'ai déjà bu le vin. D'abord, je ne vois plus le rosé. Le rosé me fait mal. Comme c'est sucré, ça me fait mal aux dents. J'ai mal aux dents. J'avais bu le whisky. Je veux pleurer les whisky d'autres m'ont pleuré. Enfin, bref, il n'y a pas de choses. Vous voilà qui pas boire les whisky. Donc. Je veux pleurer les whisky d'autres m'ont pleuré. Tchaï! Je veux boire dès que j'ai pris le vodka. J'ai commencé à pleurer. Aïe. Parlez à vos soeurs. Elles sont ici en mains sans papier. Je ne vous mens pas. Ha.
Ah, moi je vais te parler de ces choses, vous ne comprenez pas. Moi je suis là, je dors avec les amis. C'est dans ma chambre tout seul. On m'a dit que là, moi je vais dans ma chambre. C'est vrai, ma chambre est très grande, ma chambre est très grande. Ouais. Une très grande chambre. Même l'autre chambre en face là-bas. Je dors dans deux chambres. Hein. Tout à l'heure, j'ai dormi d'abord. Je crois que j'ai fait un direct, ou c'est le direct, ou c'est quoi. Moi, je dors dans mes deux chambres. Je dors ici, je dors là-bas, je dors ici, je dors là-bas. Et quand ça ne va pas, je reste au centre. Vous donnez un peu la chaleur dans toutes mes chambres. Maman, moi, je vous donne la maison, c'est gratuit. Vous ne payez même pas. C'est chauffé. Il y a les côtes partout. Il y a la nourriture au frigo, maman. On vous tend la main. Oh, ça me fait très mal. Merci, Flagie. On vous tend la main. Oh, ça me fait mal. Oui. Il y a les mamans ici dehors qui sont même là. Je dis que. Moi, je peux prendre une personne ici chez moi qui me fait le ménage ici. Je paye. 12 euros, c'est quoi pour moi? Je peux payer? Je veux que tu fasses ton ting-ting sur la chambre, non? Tu fais tes petites annonces là, tu fais ta part, tes petits work ici là. Est-ce que ça me dérange ou pas? C'est une façon d'aider. Mais Waros, excusez-moi, j'ai tellement aidé les gens que rares ceux qui me disent bonjour. Rares ceux qui viennent vers moi. Au contraire, c'est eux qui partent créer les faux comptes pour venir m'insulter. La maison est sale. Ton lit est sale. Oh, quoi, ta maman, descend après ceci. Voilà le problème alors. Est-ce que tout le monde est parfait? Hein? Est-ce que c'est parfait partout, ma? Bonjour. Hey, qu'est-ce que tu veux? Non, mais ça me fait très mal. Vraiment. Regardez, je vis seul ici. Oui, je vis seul. Il y a des gens qui viennent de temps en temps. Restez un peu avec moi comme ça, ils partent. Tu vois, non. D'autres viennent, restent un peu 2 jours avec moi, 3 jours, ils partent. Vous comprenez? Oui. Mais, vivre comme ça, moi, ça, moi je vis en confort. Moi, je vis dans le confort. Hein. Moi, je ne vous mens pas. Peu importe comme insultes, nous insultes, comme nous sommes dans les HLM, mon HLM, c'est bien. Je peux d'avoir combien? Mais ce n'est pas bien que je reste seul comme ça, alors qu'il y a les chambres, qu'il y a les chambres, qu'il n'y a personne. Hein? Chaque fois que je tends la main aux gens, les gens me ramènent avec la méchanceté. Après, on dit que pour vivre avec elle, c'est un problème. Non. J'ai les petites filles que je vais souvent ici pendant 2 ou 3 mois. Elles partent. Merci, ma mère. Elle prend les valises tout doucement. Merci, ma mère. Je m'en vais. Hey, ma fille, au revoir. Quand ça ne va pas, quand elle revient à Paris, ma mère, la chambre est vide. Je dis, ma fille, la chambre est vide. Je te laisse les clés là-bas, chérie, chérie. Je prends les clés, je laisse les clés, chérie. Tant que tu viens, tu ouvres la porte. Tu viens faire ce que tu as fait, je m'en fous. Hein? Voilà Noël qui est dehors. Est-ce que c'est normal que j'ai une maison? Noël, c'est là où on tend la main aux gens. J'ai une maison et j'ai peur d'aider les gens encore dans. Voilà Noël qui est dehors. Parce que moi, je m'en vais. Moi, je m'en vais rester chez mes enfants. Hein? Et la maison, c'est pas rester enfermée. Est-ce que c'est bien de fermer la porte aux gens à Noël? Hey! Avec votre mauvais comportement. Même si ma maison est comment, même si tu as eu le débat posé par où, même si mon caleçon est pêché par où, mais c'est quoi? N'est-ce pas tout le monde vient ensemble? Mais tu prends, tu poses à côté, où tu veux même tu laves. J'ai ici là, je ne lave, j'ai comment on appelle ça? Lave-linge ici. J'ai le truc pour l'aspirateur. J'ai tout. Il n'y a que le truc de laver les assiettes que je n'ai pas. J'avais avant, j'avais, c'est parti, qu'on avait arrangé les choses. Qu'est-ce qui vous manque? Quand les gens vivent chez moi en Noël comme ça, moi-même je m'en vais. Moi-même si je pars, j'achète les gros sols. Moi-même je te fais à manger. Je touche, je dis que ma soeur, je te fais à manger. Je laisse 100 euros. Même parfois, je donne 300. Quand j'ai l'argent en passant les Noël comme ça, je donne 300 euros. Je te laisse moi-même, c'est moi-même qui fais à manger pour toi. Je m'en vais acheter moi-même, fais les courses à Château Rouge. Je laisse pour toi. Je laisse même l'argent. Je dis que va dans mon lit, soulève l'oreiller. Je te laisse un petit cadeau là-bas. Eh ma femme, tu m'as laissé ça, elle pleure, je dis que, va, je dis que laisse, bon, je dis joyeux Noël, joyeux Noël. Oui, chaque Noël, je fais ça. Hein? Je donne l'argent aux gens ici à Noël. Mais regarde comment Noël s'est passé. Sans personne. Est-ce que c'est bien? Nous, les Camerounaises, pardon, changeons notre comportement. Peu importe là où tu vas vivre, on te tend là, même si la maison est sale, même si les achats arrivent au salon, mais n'est-ce pas, ça fait quoi?
Si je mange, je... Mais tu laves, non? Tout pour vous, c'est filmer les maisons des gens, filmer la boîte des gens. Alors, quand ça ne va pas, vous mettez à Facebook. Moi, où je suis, si j'ai eu ma part de dose, que... moi, ça me fait mal. Oui. Je suis obligé de fermer ma maison là. Ça me fait très mal. Je ferme ma maison. Parce que comme je pars là, je vais rester chez mes enfants. Il y a rien à janvier. Janvier, après, je m'en vais au Cameroun, fait 3 mois, quelques mois. Après, je reviens encore. Je voyage, moi, mes choses. Ma maison, tu vas rester pendant 2 ans sans personne dedans. Parce que j'ai mes projets que moi, je veux faire. Et que c'est bien comme ça. Hey! Vous jugez les gens par Facebook. Vous jugez parce qu'on dit que la veuve Joël, la maison est sale. On dit que la veuve Joël a un mauvais comportement. Quel mauvais comportement, mes Waros? C'est vous qui vous comportez moi avec la veuve joyeuse. Je dérange qui? Vous me voyez quand je promets sur au quartier. Vous voyez comment tout le monde m'embrasse et sourit. Les Arabes et moi, tout le monde. Tu vois comment tout le monde me. Tout le monde dit seulement les éloges de moi au quartier ici. C'est comme ça que je vis. Avant, j'avais des gens qui me dérangeaient ici. Il n'y a plus personne qui me dérange. Maintenant, je peux rire avec les voisins jusqu'à. Il n'y a pas de souci. Pour moi, c'est gratuit. Mais après. Vous allez venir filmer ma chambre, filmer mes choses, filmer mon désordre, vous mettez à Facebook. On a bien eu. Vous voyez les choses comme ça me fout. C'est que moi aussi, j'ai peur de prendre encore les gens. Mes soeurs camerounaises, changez. Hein? Approchez-vous des associations pour avoir les papiers, même les asiles politiques. C'est pas obligé que quand tu as l'asile politique, tu voyages directement Air France Cameroun. Avec l'asile politique, tu peux passer par le Tchad et puis tu atterris au pays. Vous comprenez? Moi. Ça me fait très mal. Ça me fait très mal. Donc, moi, je sais plus quoi faire. Ouais. Voilà. Je ne sais pas quoi faire. Ça me fait parce que moi aussi, j'ai honte aussi que quand je vais laisser ma maison dans le bordel, comme ça là, après les gens vont rester filmer ma maison, aller mettre aussi à Facebook, filmer ma chambre, mon désordre ici dans ma chambre, aller mettre à Facebook. Ça me fait aussi parce que j'ai aussi honte aussi que on va dire dans la chambre de l'influenceuse là-bas, tu vois un peu, parce que maintenant, je ne sais pas qui est qui. Voilà. Donc, je suis désolé, mais pour vous dire que changez votre comportement. Changez. Si vous, quand vous, tu vis avec une personne, tu vois que la voiture a mangé, elle n'a pas lavé la marmite. Mais lave, non, n'est-ce pas, on vit ensemble. Tu vois que je n'ai pas préparé la nourriture. Prépare, non, n'est-ce pas, on va manger ensemble. Il y avait des gens qui habitaient ici avant, quand ça n'allait pas, vous voyez le marché là, non. Les têtes de, comment on appelle ça? De lapin là, c'est 3 euros. Tu vas porter les têtes de lapin là-bas, tu viens ici, tu viens assaisonner ici, c'est pour manger. Tu vas porter les gros têtes de poisson là, comme ça, c'est 2 euros là-bas, parce qu'eux, ils jettent. Mais là, ils ont commencé à vendre. N'est-ce pas, c'est les gros têtes de poisson là qui sont gros là, n'est-ce pas, tu vas prendre, tu viens faire une ici, on mange, ma soeur. Tu fais tu ma viens, on mange, n'est-ce pas, on mange. On vient ensemble, en communauté. Hein? Mais ce n'est pas ça. Je dis, même les enfants, même. Mes enfants m'ont dit que maman, si on entend encore que tu as mis quelqu'un là-bas, on va venir chasser la personne. Il te dit. Une comme moi d'abord que j'ai mangé. La nourriture, c'est quoi pour moi, mes waros? Les chaussures, c'est quoi pour moi? Les vêtements, moi j'ai tout ce que je veux. Je ne demande rien. Tu tends la main à une personne, même si parfois il dit que la personne paye 300 euros. Tu payes 300 au début, c'est 300, 200. Ah, on finit même que 50, même payer, tu n'arrives même pas à payer. Maman, elle n'arrive même pas à payer. Et je vous mets dehors. Non. J'attends, tu veux que ma. C'est vous qui sortez dehors. Mais c'est vous qui ne payez même pas. Aïe! Non, mais les Camerounais ont un mauvais esprit. Les Camerounais ont un mauvais esprit que mes parce que même l'esprit là dépasse l'esprit là, tantôt. Je ne vous mens pas. Un mauvais esprit qui n'est pas bon. Le Camerounais a un ego surdimensionné que maman. On est nous tous sommes des immigrés ici. Chez eux, ils coopèrent. Ils savent ce qu'ils coopèrent là-bas en Afrique. Nous, nous ne sommes pas des coopérants. Nous sommes des immigrés ici. Quand un immigré te tend la main, ma, voilà une maison qui est chauffée, payée. Moi, dans la maison, si que je sois là ou pas, je paye la lumière. 180 euros tous les mois. Je ne sais pas combien ils ont fait le truc là. Donc, c'est comme ça. Il y a un truc qui est comme ça. Que je sois là ou pas, je dois payer. Je ne vous demande rien. Donc, c'est mon coup de colère ce matin pour dire que non. Parce que je sais que moi, je suis parisienne. Moi, ça fait des années que je vis à Paris.
Je sais comment ça se passe. Elles sont là dehors, elles attendent que les restaurants soient fermés pour aller dormir dans les restaurants. Elles sont là dehors, il y a beaucoup de Camerounaises qui sont dans la merde, mes Waros, qui n'ont rien. Mais c'est elles, dès qu'elles ont un peu la petite connexion, elles passent à soi dans la connexion pour insulter la veuve joyeuse. Vous avez quoi? Hein? Voilà une maison ici. Au début, même les gens disaient que j'avais pas quoi. Je n'avais pas de maison. Je n'avais pas de chambre. Moi, j'ai deux grandes chambres. Je viens rester ici quand je veux. Je reste ici quand je veux. Ici, il y a la connexion. Il y a tout. Moi, je voulais seulement une personne qui peut me rester ici. Tout ça pour faire que la maison ait un peu la chaleur, quoi. Voyez un peu, parce que c'est pas aussi bien que la maison reste sans personne dans longtemps. Ce n'est pas bon. Parce que moi, après, vous connaissez mes voix, quand je vais commencer à aller faire mes petits ding 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 là. Parce qu'après, moi, je vous ai dit que moi, les janvier, moi, je vais aller opérer mon ventre. On va m'enlever mes fibres qui sont là. Après, moi, je vais commencer à aller à Monaco. Je vais m'appeler veuve joyeuse de Monaco. La veuve de Monaco, oui. Je vais aller chez ma part de vie là-bas aussi. Oui. J'ai mes soeurs qui sont là-bas à Monaco. Le tâche va m'amener. Est-ce que c'est quoi? C'est ma main, non? C'est mon ventre. Je veux seulement aller mon petit ventre ici. Et tout, je vais chercher aussi ma part de vie. Il y a un temps pour tout. J'ai appris ma décision, c'est comme ça. Léna Boston. Léna Boston, il y a un problème. Mais ton nom est sorti dans un cours, ça, là. Je ne suis pas content de toi. Je t'ai dit. Moi, si ma main, je m'appelle la veuve de Monaco. Parce qu'il n'y a que Monaco qui chauffe. Moi, je m'en vais. Si j'ai fatigué. Les gens se moquent trop de moi déjà. Les gens se moquent de la veuve joyeuse. Il y a même quoi? Oh coco! La monnaie, oh coco! Non, mais j'avais plus rendez-vous, non. Non, hé, hey, oui. Moi-même, j'ai vu en vrai. Je suis petite de taille, je suis petite. Hein. C'est mon petit ventre qui est doué. Qui? Oui, j'ai oublié que... Bon, c'est pas grave. Bon, j'ai le beau sein. De toute façon, j'ai pas fait exprès. Hein. J'ai mis Radia Mélanie. Ouais, comme mon visage est beau. J'avais aussi à Monaco. Je t'ai dit. Mais oui. Ah, moi, ici, là, j'ai déjà fait tout. Moi, j'ai moi pas combien de fumer ma maison. Hein. On m'a tout fait. On m'a tout insulté. Donc. Non, mais c'était un coup de gueule que je fais ce matin pour dire que non, il faut changer. Moi, j'ai mon bordel. Mais même si mon bordel est là, hein, si je cherche l'habit que je veux porter, je veux trouver l'habit là qu'on voit. Mais si je suis une personne, je ne sais pas comment on dit ça. Je ne suis pas... je suis bordélique, c'est-à-dire que moi, j'aime quand c'est comme ça. Je n'aime pas quand mes choses sont arrangées. Si j'arrange mes choses, je ne trouve pas. Mais quand mes choses sont comme cela, c'est là que je sais là où j'ai jeté mon chapeau. Je sais là où j'ai jeté quelque chose. Vous voyez un peu, il y a des gens comme ça qui existent. Moi, je suis comme ça. Ou c'est borderline, c'est ça qu'on appelle borderline. Tu as faim, va manger, non? Est-ce qu'il y a ma... Oui, ils ont laissé quand même une cuisse de poulet là-bas. Ah oui, ah. Léna Boston, ça va ma chérie. Genre, ton nom est sorti quelque part là que je n'ai pas aimé. Je n'ai pas voulu parler de ça. Non, moi, mais je vais être la veuve de Monaco maintenant. Non, je suis dans le désordre. Ouais, je ne. Vous pensez que je suis un peu bizarre. Je n'aime pas. Et quand mes choses sont arrangées, je n'aime pas ça. Quand mes choses sont arrangées, ça ne me plaît pas. Je ne suis pas contente. J'aime quand les choses sont. Ça me fait plaisir parce que quand c'est tout rangé là, ça me dérange là, le cerveau. Parce que tu arranges mes choses. Hein. Oui, quand moi je plie mes choses, j'arrange. Et après maintenant, je ne retrouve plus mes choses. Oui. Mais quand mes choses sont les désordres, oh, je sais que mon chapeau est posé là-bas en bas, je veux trouver mon chapeau. Donc, t'es fait à dire.
L'un de mes frères t'a déjà vu. Il m'a dit que ta voix, c'est une petite, mais très belle femme. Ah bon, hein? Ouais. Non, parler des choses comme ça. Bon, comment? Je sais que, regarde là, dehors, il fait très froid dehors. Vous comprenez, mes waros? Il fait très froid dehors, c'est pas bien. Il y a des gens que je peux héberger, même 5 personnes qui viennent rester ici. Mais j'ai peur. Moi, j'ai peur qu'on. Soit on va me taper même ici moi-même. Soit on va commencer à me commander. Soit on va me voler mes choses. Parce que c'est tu des bijoux. Moi, je n'aime pas quand vous voulez mes choses. Il y a beaucoup de choses. Mais ça me fait mal. Mais moi, je le dis. Vous dites aux Camerounais que changer. Hey! Ouais, Lena Boston, tu connais pas? Ouais, Lena Boston, ton nom est sorti. Comment on appelle ça? On appelle comment? Celle qui est dans le Sodome et Gomorrhe. Quoi? Celle qui est en Italie là. On appelle comment? Nicole Kecha. Elle a fait un poste pour dire que ouais, il y a une de mes anciennes Waros qui s'appelle Lena Boston qui va dire comment j'étais escroqué, que tu vas parler là-bas comment j'étais escroqué et tout. J'ai dit que quoi? Oh, Angelove, merci ma soeur. Ah, c'est comme ça que j'aime. Oh, Angelove, je t'aime ce matin. Oh, comme le pain. Aime le sucre. Comme le pain, sans sel. Parce que moi, j'ai mis sur le pain, sans sel. Oh, je t'aime, je t'aime. Oui, elle a dit que, elle a dit Lena Boston. J'ai dit, merde. Que Lena Boston aussi parle là-bas déjà. Oui, elle a écrit, elle a écrit. Mais je me suis abstenu. Va dans ce. Va dans ce. Va dans ce. Où c'est Nicole, quoi? Où c'est quoi, quoi? Où c'est à cœur ouvert de Nicole? Va regarder ce poste. J'ai dit, bon, quand ça touche déjà ma personne, moi je ne veux pas entrer dedans. J'ai dit que on joue Lena Boston. J'ai même essayé de t'appeler. Je ne sais pas si tu es encore ami avec moi. WhatsApp, je ne t'ai pas eu. Bon, j'ai dit, bon, on joue Lena Boston. Elle va venir. Va dans son truc. J'ai dit que ton nom est là-bas. Lena Boston. Mais tu sais qu'elle m'a clashé aussi. Hein? Elle m'a clashé cette semaine-ci. Va dans son. Dans ces trucs-là où c'est à cœur ouvert de Nicole. Nicole à cœur ouvert de Nicole. Va regarder les. Elle a fait le poste. Oui, ton nom là-bas. Où j'étais escroqué. Combien de millions? C'est combien? Oui, Lena Boston. Vas-y, va voir. Mais je n'ai pas voulu me répondre. Oui, vas-y, demande aux gens. Va là-bas, tu vas voir. Ton nom est là-bas. Que j'étais volé la nourriture. Ou la nourriture a fait quoi, toi? Moi, j'ai fini avec elle. Moi, j'ai fini. Vous savez, il y a des gens qui, hein, quand une histoire arrive, hein, ne vous, moi, je me précipite. On appelle ça comment? J'ai dit, mais comment, il y a les mots là qu'on dit que. Je ne parle pas vite avec la personne, j'attends. Le jour que tu oublies, c'est là que moi j'arrive sur toi. Mais oui. Oui. Donc, je voulais vous dire ce matin que, mes soeurs, faisons la paix entre nous. Hein. Mais moi, votre veuve joyeuse, moi, ça me fait très mal. Laisser ma maison comme ça, là, sans personne dedans. Et voilà les fêtes de Noël. À Noël, c'est une fête que tous les gens doivent être en communauté. Tu vois, donc, on tend la main aux gens. Mais les Camerounais, eux, ils ont, oui, quand tu veux dire à un Camerounais que je te tends la main, le Camerounais, lui, vient te montrer que c'est lui qui te commande. Voilà le problème aussi qu'il y a. Moi, je voulais souvent vous dire que moi, je peux bien aider une personne qui appelle. Bon, je veux quand même essayer de voir si une personne peut venir rester ici, quoi. Mais je ne sais pas quoi faire. Moi, ça me fait très mal. Vous comprenez, non, les voir. Ça me fait mal parce que. Parce que il fait, voilà, le foie qui a, et le foie, si. Vous avez remarqué qu'il y a le brouillard, non? Hein, les waros. Vous avez remarqué qu'il y a le brouillard, de quand il y a le brouillard comme ça, ce n'est pas bon. Ça veut dire que le foie va pénétrer les entrailles des gens ici maintenant. Il y a le brouillard partout. Même quand tu sors, même tu n'as même pas envie de sortir. Il y a le brouillard, le brouillard. Le brouillard est partout. Regardez, je ne sais même pas qu'elle est. C'est triste dehors, mes Waros. Merci pour les étoiles. Regardez comment c'est triste. Vous voyez? C'est triste. C'est triste. Il fait très froid.
Hein, des Waros. Il fait froid. Si tu vas, toi, tu es là, tu veux aider les gens. Et il faut pas que j'oublie le cheval des Namangwa. Voilà, les gens ont mangé hier, non, devant aussi, sinon. Là, je vais faire un peu le ménage là-bas, la cuisine là-bas. Voilà. Je vais le trouver. On m'a gâté hier. La reine m'a bio m'a gâté. Ils m'ont gâté hier jusqu'à. Ils ont amené. Et il a dit que tu vois. Et la boisson. Et les bazabazabazab. Ils m'ont gâté hier jusqu'à. On m'a donné les vêtements. La reine m'a bio m'a amené les vêtements du pays. Du pays de si je savais. Parce que le Canada, c'est le pays de si je savais. Moi, je vais aller habiter là-bas. Ils ont bien mangé hier. Notre cuisine, c'est la cuisine légendaire, si. Hein? Léna, tu n'es pas en Europe. Je n'étais pas au courant que tu n'es plus en Europe, ma soeur. Maman, je suis en train de chercher la boisson partout. Il n'y a rien de mauvais à la cuisine. Si vous faites un grand mouvement. Non, mais je ne sais pas. Bon, je vais essayer quand même de voir s'il peut une maman. Si une maman. S'il peut trouver une maman qui vient rester. Les jeunes filles, là, moi, je ne veux plus ici chez moi. Oui, je ne peux pas. Je suis obligé de prendre quelqu'un ici. Parce que je connais comment Noël se passe ici, comment les gens souffrent, comment. Une personne qui a la télévision là, elle vient là à Noël, elle prépare le jour de Noël aussi, même si je ne suis pas là. Tu vois, elle fait à manger là, elle prépare, elle regarde la télévision, même la messe. Il y a déjà l'arbre de Noël qui est déjà notre arbre de Noël, notre arbre de Noël ici. C'est là. Tu vois, ça va te donner le bon mot que mais moi, j'ai honte qu'après on va encore me mettre à Facebook. Moi, si j'ai souvent honte, il ne faut pas dire qu'on n'a pas honte. Après on va encore me mettre à Facebook, regarde ta chambre. Regarde tes assiettes, regarde ta salle cuisine. Non, ça fait aussi mal aussi, vous voyez. Ça fait aussi mal. Et que c'est bien. Ma maison, elle a bien chauffé. Ne dérange personne. Et la nourriture dans tous les frigos. Aïe. Les gens se sont buillés. Il y a tout la boisson partout. Je vais enjoy aujourd'hui. Mais. C'est le comportement des Camerounais, c'est tout. Les Camerounais n'ont aucun respect pour leurs semblables. Les Camerounais, déjà, ils n'ont aucun respect. Ils ont trop la gueule. Tu vois, non? C'est ça. Trop le mépris. Il faut noter que quand les Blancs viennent chez nous là-bas, ils sont coopérants. Nous sommes des émigrés ici. On nous appelle les émigrés. Mais quand ils viennent chez nous en Afrique, on les appelle... ta coopération, ou bien d'un coopérer quoi là-bas, c'est eux-mêmes qui savent. Oui, moi ça me fait mal, regarde, voilà la chambre ici, vous connaissez ma chambre sinon. Moi je dors partout. Voilà une chambre ici. C'est dans le noir parce que moi j'ai dormi ici cette nuit. Ma tête ne tient pas. Moi je dors dans toutes mes deux chambres. Aïe, moi c'est un cas. Vous voyez, quand tu es dans la chambre, c'est, regardez en face là-bas. Vous voyez, c'est pareil. Ici, encore même, c'est mieux. Vous voyez. Mais oui, j'ai dormi ici la nuit. Ouais. Quand vous voyez que ici là c'est dans le noir, ça veut dire que j'ai dormi. Parce que moi si ici il y a les couettes, mais Waros, il y a les couettes, il y a tout. Vous venez vous rester ici avec la vie Waros. Est-ce que moi je dérange pas les gens? C'est vous qui faites que moi maintenant là je regarde les gens que
Moi aussi, j'ai honte aussi. Mais que c'est tout le monde qui est désordonné. Tout le monde, je suis désordonné, oui. Mais ça ne veut pas dire que je suis une sale femme. Jamais. Hein? Et voilà. Mais je ne sais pas. Je veux prendre une décision. Mais je ne sais pas laquelle. Je ne sais pas comment je veux faire. Je ne sais pas ce que je veux faire. Parce que je ne veux pas que si mes enfants savent que j'ai encore pris quelqu'un ici, ça, ils vont venir bagarrer ici avec la personne, que la personne sort. Donc c'est un peu dur pour moi, quoi. Parce que mes enfants en ont marre de mes histoires chaque fois avec les gens et tout ça. Même pour te dire à un point que même mes amis, les enfants ne veulent même pas que j'ai des amis. Mais elles préfèrent que je reste seule. Je vous dis. Mais je ne sais pas, hein, je veux prendre une décision, je veux réfléchir. Hein? Allez, Tatarana, bonjour. Eh, ma soeur, je vais finir la papa. Je viens à Genève. Eh, voici ma soeur qui m'a accueilli à Genève. Je viens à Genève. Bibois, qu'on appelle ça. Qu'on en est à Genève. Je viens à Genève, hein. Je t'ai dit ça. Bon, on est à Genève. Non, je n'ai pas repris les gens, ça. Mais je mets mes tout les rages à Mélanie, non. C'est ça qui arrange mon thème. Je mets tout pourquoi. Non. Il y a l'eau qui sort du mur ici. L'eau glacée. Il y a les glaces. Il y a tout. Frigo américain. Enfin, où c'est frigo américain, c'est quoi. Je ne dérange personne. Hein? La nourriture et tout. Oh, ça me fait très mal. Je ne sais pas pourquoi depuis hier soir je parle de cette histoire. Parce que la période de fête de Noël, c'est être en famille. Tu vois. Moi-même, souvent, je fais des fêtes ici de Noël seul. Mais je ne suis pas souvent seul. Il y a tous les gens qui viennent autour de moi. Il y a mes amis blancs là, qui viennent souvent rester ici avec moi. Il y a les trucs que je fais. Je fais souvent des grandes fêtes ici. Oui. Donc, je vais réfléchir. Je vais voir si je peux trouver une maman pour la tendre la main. Je ne veux rien d'autre ce que aider mes semblables. Mais mes semblables, eux, ils m'insultent chaque temps. Donc, moi aussi, chaque temps, j'ai décidé que maintenant, là, moi aussi, je ne veux plus aider chaque temps. Oui. Voyez, non. Les Camerounais ont tout la bouche. Parce que si tu suis la bouche d'un Camerounais, tu peux tuer tout le peuple camerounais. Parce que le foie qui tape dehors là, avoir une petite maison comme ça, bien chauffée. Mais Waros, tu es là bien chauffé, tu es là, tu pries ton Dieu, que Dieu t'aide en attendant les jours meilleurs. Oui. C'est tout. Il y a aussi les gens que quand je ne veux pas trop me parler. En tout cas, je vais réfléchir. Mais moi, ça me. Je ne sais pas pourquoi je. Pour moi, c'est que ça me dérange beaucoup, quoi. Vous voyez un peu, ça me dérange cette histoire. Parce que j'ai envie d'aider. J'ai envie de prendre quelqu'un ici. Oui. J'ai envie d'aider. Vraiment aider. Mais en même temps, j'appréhende le comportement de la personne. J'ai peur d'aider aussi. Et ça me. Parce que je sais que pendant les fêtes de Noël comme ça, moi je vais aller passer les fêtes de Noël avec mes enfants. Je serai avec ma petite fille, si peut être à Dieu, je serai avec ma petite communauté à moi. Tu vois? Et le fait de savoir qu'il y a des gens qui sont dehors, qui ne mangent. Tu vois un peu? Oui. Tendre la main à quelqu'un, c'est ça, mais après c'est le comportement qui. C'est leur comportement, quoi, qui me fait en sorte que je. Oui, c'est le comportement. Parce qu'au début, tout le monde est gentil avec toi au début, et après les gens changent avec toi comme si. Comme si vous discutez un pénis quelque part, comme si vous discutez un homme, comme si vous discutez. C'est un peu ça, quoi. Je ne sais pas quoi faire. Et depuis hier, ça me dérange un peu. Ok. Ok, bon, écoute. Oui, d'accord, bon, c'est toi qui viens vers moi, hein, Suti. Il n'y a pas de souci. D'accord, je suis en train de tarotter un peu pour l'histoire de la maison, quoi. Ce n'est pas bien de laisser les gens quand même à la rue. Pour moi, c'est que ici, enfin, tu vas prendre une personne, tu mets chez toi. C'est la même personne qui va te mordre demain aussi. Quand tu sors le chien dans un trou, c'est le chien qui va te mordre. Oui.
En tout cas, j'en parle parce que c'est quelque chose qui me trotte depuis hier. Ça me fait mal, quoi, de laisser la maison seule comme ça, qu'il n'y ait personne dedans. Vous voyez, alors qu'il y a des gens qui souffrent, qui sont dehors. Ça me fait mal, ça me fait mal au cœur. Bon, je ne sais pas quoi faire. Pour l'instant, je parle de ça pour que vous essayez aussi de comprendre mon état d'esprit. Vous essayez aussi de me comprendre aussi, quoi. Pour voir, parce que je vis aussi, tu vois un peu. Essayons de réfléchir ensemble dans cette situation. Ouais, essayons un peu de réfléchir à cette situation. Voilà. Parce que ça me fait vraiment mal de laisser la maison comme ça. Qu'il n'y a personne dedans pendant les fêtes, alors qu'il y a les gens qui vont passer les fêtes dehors, dans les restaurants, dans. Je sais pas, tu vois un peu ça. Même pas que les fêtes, quoi. Mais ça me dérange beaucoup. Ça me dérange vraiment beaucoup. Et j'ai tellement eu de problèmes que tu avais. Non. En tout cas, bon, je reviens vers vous. Je reviens vers vous après. Et puis on va voir si on peut prendre une décision ensemble. Unanime, quoi. On prend une décision. Si je peux prendre une personne. Ici. Ouais, non. Si possible, je peux prendre une personne ici. Bon, ça me fera plaisir, mais c'est le comportement. C'est le comportement. Moi, j'avais peur qu'on vienne fumer ma chambre, qu'on vienne fumer moi. On fume mes choses et tout ça. Tu vois, parce que mes potes ne sont pas. Je n'ai pas mis les tout là-dedans. Ouais, j'ai peur de. J'ai peur. J'ai peur. Oui, je suis là, je suis là. C'est mon WhatsApp là-bas, oui. Donc, j'ai un peu peur de. Non, ça me fait mal, quoi. Je ne sais pas quoi faire. Parce que j'ai envie d'aider. Et j'appréhende le comportement. Parce qu'au début, les gens sont toujours gentils avec moi. Après, ils me montrent leur visage. Tu vois, un peu, c'est ça un peu. Oui, les gens qui travaillent, oui, je ne veux pas prendre quelqu'un. Hein? Je veux voir, je veux voir. Non, mais c'est même pas ça. Je voulais juste aider quelqu'un pendant tout le mois de décembre, c'est quoi? Je voulais aider quelqu'un qui peut venir rester là. Il ne paye pas. Tu vois, non? Il ne me donne rien. Juste, bon, il se débrouille quand même pour manger, mais une personne qui est là, qui est dans la chaleur, pour donner un peu un petit coup de main pendant les fêtes de Noël, quoi. Et puis, bah, si voir si la personne, et puis, si la personne est bien, donc, voilà. Non, c'est le même numéro, Switch, c'est le même numéro. C'est mon numéro là-bas. Oui, je peux aussi, oui, une maman qui peut aussi m'aider, mais il y a les mamans âgées, maman âgée. Il y a aussi les mamans âgées, les sorcières, qui sont aussi sorcières. Hein. Donc, il faut faire attention, moi, je sais pas. Donc, voilà. En tout cas, bon, ça me cogite depuis hier soir, quand les Nathalie sont partis. Ça m'a bougé, j'ai même fait un direct sur ça. Ça me dérange beaucoup. Parce que j'ai envie vraiment d'aider, mais c'est le comportement, quoi. Moi, depuis un moment, je suis seul, mais j'ai des amis qui viennent me voir, il n'y a pas de souci, je m'en vais aussi voir des amis, il n'y a pas de souci. Mais c'est le comportement, quoi. C'est le comportement. Parce que maintenant, là, on ne sait plus à qui faire confiance. Donc j'ai réfléchi, quoi. Donc, parce que si demain à mes enfants, moi, ils vont me dire non, maman, non, 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 on ne veut plus. Tu laisses les. On me dit, maman, non, on ne veut plus. Parce qu'après, ça va devenir mes filles en ont marre de me voir salir dans les réseaux sociaux avec les mêmes choses. Donc, voilà. Non, je veux chercher, mais si vous connaissez quelqu'un qui. Bon, une personne qui est dans le besoin, vraiment, mais à côté, un homme. En tout cas, pour l'instant, je ne sais pas quoi faire. Je ne sais pas quoi faire. Je ne sais pas quoi faire. Vous comprenez, non? Parce que je ne sais pas quoi faire. Je ne sais pas quoi faire. Ça me fait mal. Tu vois. Je ne sais pas quoi faire. Non, et ça me dérange beaucoup. C'est pas pourquoi je. C'est que moi, je suis. Je ne sais pas quoi faire. Voilà. C'est pas mon problème.
coup ici. Parce que quand elle commence à tousser comme ça, ça veut dire que c'est ouvert quelque part. Maintenant, moi, je suis devenu que un... Ah! Parce que je suis en train de boire l'eau glacée. Ah oui. Ouais. Parce que l'eau aussi, parce que je ne dois pas boire tout ce qui est frais. Ouais. Non, c'est ça. Je t'ai dit. Il y a même les préservatifs ici. Il y a même les préservatifs, il y a. Ici, il y a tout, bête. On va faire comment? Non, je réfléchis, mais ça me fait mal. Ça me fait très mal. De ne pas aider. Ouais, ça me fait très mal. Hey, maman, même l'eau glacée me traumatise. C'est, moi, ma partie est mauvaise. Voilà ce que je vous dis souvent, non? Je dis même l'eau que je bois, mes waters, comme c'est frais, ça ne va pas, ça ne passe pas. Oui. Même l'eau que je bois ne passe pas. Moi, je dois avec tous les et les perruques. Ah, bah, ça, bah, ça, bah, ça. Je voyais, moi, je dois avec mes perruques. Les perruques, là, moi, je voyais ici. Maman, même le sopalin dort aussi avec moi. Ouais! La chambre sienne. Le lit, s'il y a tout ici. Voilà ma copine ici, on dort ensemble. La copine de Namoué. On est ici. On est là. Non, mais sérieux, je ne sais pas quoi faire, mais bon. Je vais réfléchir quand même à ça. Je vais réfléchir. Là, vous dites, Kim, c'est comment, madame? Comment va la vie? Tu prépares, comment tu prépares les fêtes? Les fêtes se préparent bien. Le fait de Noël. Oh. Je t'ai dit. Oh, ça me fait très mal. En tout cas, je ne sais pas. Je sais pas. Je veux réfléchir. Je veux voir ce que je veux faire. Je veux voir vraiment ce que je dois faire. Je veux voir ce que je veux faire. Je veux voir ce que je veux faire. Je veux voir. Il y a même un sapin de noix que j'ai après. C'est comme ça avec moi. Même l'eau glacée me montre. Je ne dois même plus boire l'eau glacée ici dans la maison. Aussi. Ouais. Non, en tout cas, on va réfléchir. Je reviendrai en direct tout à l'heure. Je ne sais pas à quelle heure. Je reviendrai en direct tout à l'heure. Je dois d'abord bien réfléchir. Pour moi, c'est que les gens ont trop abusé de moi, quoi, tu vois un peu. On a trop abusé de ma générosité, de ma gentillesse. Tu vois un peu. C'est aussi ça qui me fait que j'ai un peu peur des gens aussi. Oui, c'est aussi ça, mais ça fait mal. Parce que le Camerounais ne sait pas que quand il voyage, ici c'est l'immigration. Nous sommes immigrés. Il y a des restaurants ici, il y a des circuits ici. Que tu vois les circuits, il y a 10 personnes qui dorment dans les circuits là. Il dit 10 personnes qui dorment dans les circuits ici. Et moi j'ai des chambres ici. Dès que tu prends une personne, tu viens mettre ici. Parce que mon azo te met dans la tête. Viens se poser sur ta tête. Tu parles fort. Ouais, le problème aussi, hein. Donc dès que je fasse quoi les barres. Je dois réfléchir. Oui. En tout cas. La reine est bien arrivée. Ah! Nicha! Je t'ai dit.
Non, moi, j'ai. Oui, Chantal, mais il y a cas par cas. Moi, personne ne peut prendre ma maison. Il y a cas par cas. Personne ne peut prendre ici. Moi, je vis dans le HLM. Moi, je suis veuve. Moi, mon collègue, il n'y a pas de souci. Il y a cas par cas. On a encore maman là. Il faut bien préciser que c'était un appartement, un logement social, parce que c'est un logement social que moi j'ai. Et que c'était un appartement, parce que ce sont les appartements individuels. Les appartements individuels, que ça se passe souvent comme ça. Oui. Même les logements sociaux, oui. On fait souvent c'est ça, mais il y a cas par cas. Mon statut, moi j'ai ça acquis, c'est parce que je suis une veuve. Oui. Moi, on ne m'a pas donné ça parce que j'ai cherché un logement, non. Il y a cas par cas. Tu comprends, non? Non, mais ce n'est pas ma démarche envers vous. C'est pour changer la mentalité des Camerounais. Vous comprenez? Parce que les Camerounais, tu tends la main à un Camerounais. Le Camerounais, lui, veut te montrer qu'il connaît trop. Il sait crier fort. Il sait parler bien français. Lui, il a été à l'école. Toi, tu ne connais rien. Oui, il connaît les lois. Alors que moi, tu m'énerves, je porte seulement les matelas, je vais poser là-bas dehors. Parce que c'est moi. Tu m'as comme la dernière fois, je porte les matelas. Qu'est-ce qui prouve que tu vis chez moi? Rien. Rien ne prouve que tu vis chez moi. Tu vois, non? Tu vois, non? Il y a. Oui, c'est les logements qui ne sont pas sociaux. Que ça arrive souvent. Mais un logement social, c'est autre chose. Oui, les HLM, on appelle ça logement social. Voilà le vrai nom des HLM, c'est logement social. On a embelli. Ou dit HM, on appelle ça que logement social. Mais oui. Vous comprenez, non? Non, mais pas ça. Pour moi, c'est que les gens doivent changer. On doit changer toutes nos mentalités. Non. Surtout nous, les Camerounais, les Cam. On a les mauvais comportements, mon gars. Tu attends, non. Non. Les Camerounais ne savent pas que quand ils te reçoivent chez lui, quand tu pars de la maison, il doit arranger les lits. Voilà. Moi, quand je m'en vais chez les gens, avant de partir, comme j'ai trouvé le lit bien dressé, c'est comme ça qu'avant de partir, j'arrange encore le lit là bien dressé. Oui. Ou alors la personne me dit que non, moi, n'arrange pas, il y a une femme de ménage qui va passer. Comme je suis Natacha de Monaco, il y a les femmes de ménage. Elle me dit que moi, laisse, ne n'arrange rien, la femme de ménage va passer, oui. Mais, non, on a cette mentalité-là. Et vous, tu vois, on va s'accaparer la chose des gens, on va montrer qu'on sommes les King Kong. Voilà ce qui nous tue. Oui. Même dans les réseaux sociaux. Oui. Les Yupougons nous ont trouvé, non. Les Yupougons nous dépassent aujourd'hui. Après, tu sors d'où? Il a dit Sonia, mais c'est vrai qu'elle, quand même, on dit. Nous allons de Nang, Zabazabaza. Allô, quoi. Est-ce que tous les points là sont de nos beautés sortent d'où? Tous ces filles-là nous ont trouvé dans les réseaux sociaux. C'est les Camerounais qui gouvernent les réseaux sociaux. Aujourd'hui, on est où? Hein? Eh, Black Beach, moi, je suis arrivé depuis. Hein? Mais oui. C'est tout. Non, ça va bien. Je sais que moi, j'ai les micros sommés, non. Mais oui, c'est notre comportement. Dis donc. C'est une personne qui veut gouverner, c'est une personne qui veut commander. D'autres personnes ne sont rien. Nous voici aujourd'hui. Black Beauty, tu viens rentrer. Non, non, en tout cas, j'ai fait un petit j'appelle là. Oui, c'est notre comportement. On devait déjà être loin. Comme les Lady Sonia qui partent faire les conférences de quoi là, on peut aussi être comme ça. Voilà les autres beautés. Marco se sort de Marco se nous a trouvé à Facebook. Le beauté sort de nous ont trouvé. Hein? Celle-là qu'on appelle toutes les filles nous ont trouvé. Nous, la toile Camerounais, tu dans les nerfs. Moi, j'ai dit que zéro paix à Facebook. Oui. Zéro paix, c'est tout. J'ai fait les courses. Moi, je suis encore à la maison. Ah, oui, voilà aussi un problème, tu as raison. Le problème, c'est que, oui, voilà le problème, c'est que, le fait que tu peux aussi déclarer, c'est-à-dire que tu pars à la préfecture, tu pars, ça se fait à la mairie, donc tu vas dire que telle personne vit chez moi, oui, c'est autour de 3 mois. Donc, c'est comme un petit certificat d'hébergement. Quand tu héberges, oui, c'est un certificat d'hébergement, tu héberges une personne chez toi pendant 3 mois, oui.
Et si tu laisses une personne chez toi et que tu n'es pas là, la personne peut récupérer la maison. Oui, la personne peut récupérer ta maison, oui. Ça, c'est vrai. Ouais. Même le HLM, il peut récupérer. Si tu n'es pas souvent là. Lui, pas dit que oui, il peut récupérer la maison. L'hébergement. Tu peux faire un tour d'hébergement, mais quand toi-même tu es sur place. Mais pas que tu dis que tu héberges une personne chez toi et que toi-même tu n'es pas là, tu voyages. Ne jamais voyager. Oui. Tu peux faire un truc comme ça, oui. Il y a des dossiers là. Il y a beaucoup de cas comme ça, oui. Oui, je me souviens, j'ai eu vent de ce genre de problème que les gens arrivent, la personne veut absolument que tu pas dire que la personne qu'elle est là. Toi, tu peux lui faire ça là, par contre, on fait ça à la mairie. Oui, là où on fait les passeports, là, à la mairie, là. Tu peux faire. Et oui, et puis la personne, c'est comme un papier qui prouve que la personne vit chez toi. Oui. Que monsieur tel, tel ou madame tel, tel habite chez moi. Oui. Tu donnes ton nom. Que madame Elisabeth d'Aigremont, j'héberge telle personne à une période de temps à temps. Oui, et l'erreur qu'on fait souvent, dès que tu héberges une personne, je te laisse une personne chez toi, toi, tu vas voyager. Tu pars au Cameroun, tu pars faire 2 mois et 3 mois. Quand tu arrives parfois, mais tu trouves qu'on a changé la serrure de la porte. Oui. Oui, comme moi, c'est là, quelqu'un peut changer la serrure, mais comme c'est une porte blindée, c'est un problème pour changer la porte. Oui, les gens peuvent toujours changer les portes. Oui, parce qu'il faut faire attention. Quand vous mettez ces gens chez vous, si une personne réussit seulement à changer la clé de ta porte, hein, tu ne peux plus entrer. Et c'est, même si tu appelles la police, même si c'est quoi, ça va être, la police va te dire d'aller à l'hôtel. Toi-même qui es à la maison, d'aller à l'hôtel. Et que après, vous allez voir les problèmes après. Parce qu'il n'y a plus rien qui prouve que c'est ta maison. Oui. Il y a beaucoup de cas. Il y a que chez nous, les Camerounais, oui. Les Camerounais font ce genre de choses, oui. J'ai déjà appris ce genre de choses, oui. Maman, quand il apprend encore des choses comme ça, il reste moi seul ici dans mon bungalow. Hein. N'est-ce pas, mes waros? Quand il apprend encore des choses comme ça, mais ça fait que je n'aide même plus les gens. Oui. On enregistre les gens, oui. Moi, je fais souvent ça. Tu vas à la maison, tu dis que tu héberges une personne chez toi. Oui. Ouais, c'est vrai. Et oui, et quand tu héberges une personne chez toi, toi aussi, reste aussi sur place. Reste aussi sur place, parce que si tu voyages aussi, la personne peut changer. Une personne vit chez toi, elle change la serrure, elle mouffe. Tu vois, même si tu appelles la police ne va rien faire. Vous allez partir au tribunal, sur tribunal. Mais oui, parce que la personne va aller chez, parce que oui. Et si en plus tu laisses les fiches de l'étude de. Mais oui. Oui, ils lui ont mis pas dit là-bas que non. Et ils ont. Quand vous me parlez de ma comme ça, mais je reste moi ici, je fais mon bungalow ici, seul ici. Je veux pas rester seul ici, moi. Mieux. Et les waros. Parce que non, j'ai un cœur fragile. Le Cameroun, le seul pays qu'on vous tape, les Camerounais sont contents. Parce qu'ils sont même contents qu'ils ont gagné le Brésil, vraiment. Hein. Et les Camerounais. Comment vous me tuez? Ah ouais, n'est-ce pas? Voilà le problème. Oui, parce que les Camerounais, on a. Ouais. Et tu attends, hein? Moi, ça fait au Cameroun, j'ai fait 6 mois au pays. Tu vas faire 6 mois dans un pays et tu laisses les clés chez toi. Ah oui. Oui, ne jamais voyager. Oui, attends, moi, je fais souvent des choses comme ça, mais je ne voyage pas loin. Je parle de faire une semaine. Là, mon tim, tu vois un peu. Après, je rentre. Oui, mais il ne faut pas rester longtemps. Dehors. Et le problème, c'est aussi que faut pas aussi rester longtemps. Parce que c'est aussi bien quand il y a les gens. Moi, chaque fois que je pars au Cameroun, j'ai mon ami Baganté. Mon pasteur, là, il vient rester ici. Je laisse les clés. Il vient souvent rester ici. Il mange jusqu'à. C'est lui qui reste souvent ici. Vous voyez que si vous avez dit que oh, il y a des gens qui habitent chez toi, non? Il allait chez lui. Lui, il vient, tu vois, il vient souvent rester ici. Lui aussi, il change un peu. Il habite là-bas chez lui. Après, il vient rester ici. C'est mon ami là-bas. C'est mon ami Baganté. Il vient rester ici. Un jeune garçon comme ça, il met ses films là-bas. Il regarde, il reste ici. Quand je ne suis pas là, c'est le seul qui laisse souvent les clés. Le seul qui laisse les clés quand je voyage. Lui-même, il n'aime même pas d'abord. Oui. Il ne sort pas avec lui, mais c'est un ami, ami. Oui. Là, il dit qu'il y a qui là-bas. Je n'aime pas quand les gens sont chez toi. Parce qu'il sait souvent, parce que ça lui fait souvent mal quand les gens font des choses dehors. Ça lui fait très mal. Oui.
Voilà quoi. Il n'aime pas. Il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas quand je laisse les gens ici. Même quand les gens me font du mal. Oui, il y a beaucoup de gens que ça affecte. Hein. Quand les gens me font du mal à Facebook, il y a beaucoup de gens que ça affecte beaucoup. Donc, voilà quoi. Mais pour moi, c'est qu'on va leur faire comment? Tu veux bien aider les gens, mais bon. Hein, Buti? On va leur faire comment? Tu veux bien aider les gens, mais les gens sont trop bizarres. Les gens sont. C'est à cause de ce problème, je ne sais pas. C'est à cause de ce vrai problème. Hein. Voilà. Tu ne sais pas quoi faire. C'est malheureux. Tu vois, quand tu sors dehors, là, comme ça, tu sors dehors, hein, tu as vu le froid qui fait là. Si tu n'as pas la voiture comme habitude, là, tu vas faire comment? Tu vas voir, je vais rester ici toute la journée ici. Si je sors, dès que je peux acheter mes cigarettes. Et même pas les cigarettes, je reste moi couché là toute la journée. De fourrer. Même la télévision, je n'ai pas venu regarder la télé. Je suis là dans ma chambre. En tout cas, c'est quelque chose qu'on doit discuter. Hein. Il faut ce qu'on parle aussi que les Camerounais sont sans papier en France. Hein. Si on prend tous les. Maman, tu vas voir les Camerounais sans papier. C'est quoi? Que j'appelle même Dieu, elle parle un peu de ça. Hein. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de sans-papiers là-bas à Montréal, là-bas. Mais ici, il y a beaucoup de sans-papiers. Oui, maman, la signature. Oui, la signature. Tu sais que, voilà aussi un peu. Parce que moi, je signe comme. Je signe, moi, je signe pas X. Comme Bassin Gossa signe X. Ou plus. Quoi? Donc, jusqu'à dire que c'est elle-même qui. Yeah. Mais oui, hey. Mais oui. Je suis une signature que pas. Ma part de signature. Hein. Si vous voyez ma signature, vous allez rire jusqu'à. Vous allez rire. Vous savez que quand j'étais au Koumoyen 2, on nous apprenait, parce que c'est là qu'on nous apprend la signature, que tout le monde, on peut signer avec nos noms. Je peux signer avec mon nom, mes initiales, ou bien tu peux signer avec les initiales, ou bien tu peux signer avec un S ou son. Bon, on nous apprenait comment signer, quoi. On nous apprenait les trucs de signature et tout. Vous êtes, je suis au collège, je crois. Sixième ou cinquième, je sais pas. Tout comme ça. Maman, je suis parti prendre une signature. Que... Mais ma mère, quand elle signe sur ma mère, elle regarde vraiment, c'est Simbutuku. Mais, il n'y a que moi seul qui signe comme ça. Oui. Parce que la signature, elle est caractère. Il n'y a que moi seul. Les gens sont souvent. Aïe! Si vous montrez ma signature, vous allez rire jusqu'à mes enfants. Je dis, maman, qu'est-ce que c'est? Si vous montrez ma signature, vous allez rire jusqu'à. Aïe! Ma mère va dire que. Et si tu vois, quand ma mère signe, ma mère a une belle écriture parce qu'elle est d'abord gauchère. Quand ma mère signe, elle mouffe. Je fais tant que tu. C'est la signature ici. Elle dit oui. Ouais. Et attendez. Oui. Mais pour moi, c'est que si c'était aux États-Unis, on aurait dit que c'est en français. Tu vois la méchanceté? Ouais. L'affaire des maisons, si. Attendez d'abord les rôles, je bois de mon petit verre. Hein. Ça arrive. Attends, je vais vous raconter une histoire. Je regardais si j'ai encore la batterie. Bah, pardon, mais rappelez-moi que lundi. Non, mardi, je dois partir comme on me voit les yeux. Parce que je ne vois plus bien. Loin, je vois, mais comme ça, je ne vois pas. Quand je fais comme ça, je ne vois rien. Je vois flou. L'affaire de Maison Cine Warriors. Je vais vous raconter une histoire. Connaissez-vous? Parce que
La fée de maison, si. Je vais vous raconter une histoire que si vous savez ce qui s'est passé, les Warriors. Non, mais moi, je sais que ce genre de parti qui existe, vous comprenez? Ma démarche là, c'est vous avez déjà vu comment mon maman a tellement fait ici à Facebook. Même quand je parle avec une personne, je viens me mettre ici, on m'insulte, on me menace et tout ça. Tu vois un peu, non? Oui. Et je suis chrétienne. Même si je ne vais pas à l'église, vous voyez un peu. Même si je ne pratique pas, même si je ne vais pas à l'église, mais moi j'ai un cœur de pitié pour les gens. Vous voyez donc? Moi j'aime les gens, j'ai un cœur de pitié. Mais la façon que Boudouba, la façon que les gens te font aussi après, tu te dis même que c'est quoi. Tu vois un peu. Il y a aussi ça. Donc c'est un processus, c'est une reconstruction dans la tête, quoi. Que est-ce que. Parce qu'au début, les gens sont tellement gentils, sympas. Mais la façon que les gens changent aussi après, là aussi, ça fait que toi, tu dis même que c'est. C'est un problème, quoi. C'est un problème mental, quoi. Surtout ici en Europe, quoi. Parce que c'est ça me travaille, cette histoire me travaille beaucoup, quoi. Vous voyez un peu, ouais. Ça travaille beaucoup. Ouais. Parce que, comment parler? Attendez d'abord, je m'en vais faire pipi. Hein, ça me travaille beaucoup. Tu ne sais même plus comment faire pour aider même les gens. Hein? Tu ne sais même plus quoi faire. Attends un peu, je veux boire un petit Dagobert. La soif de ça. Tu vas alors faire comment? Pour moi, c'est le cœur de pitié. Parce que quand un Camerounais veut que tu l'aides, hein? Matin, midi, soir, ma. Mais dès que tu as attendu la même, boum, on te sort le savoir-vivre, le savoir-faire. Voilà le problème qu'on a. Les gens qui sont compétents, les gens qui ont le français facile ici à Facebook, et celles qu'on suit, parce qu'une comme moi, je ne me suis pas, je n'ai pas assez de vues. Voilà les choses qu'il faut parler. Parlez à vos frères et sœurs camerounais de chercher leur vie, de chercher les papiers. Est-ce que c'est normal que tu trouves une personne avec qui tu as voyagé, vous êtes venu ici, pam, pam. Toi, tu as reçu ta vie. Sinon, que tu as fait ces petites choses dans ta vie. Eh bien, voilà. Toi, tu es encore sans papier. Et toi, tu viens rester là, Marco. Sans papier, depuis des années. Tu n'as rien. Mais c'est eux qui passent sur les réseaux sociaux. Elle m'a buté. Dans les réseaux sociaux pour nous insulter, que nous, on n'est rien. On ne vaut rien. On va prendre le prétexte que voilà celle-là qui a construit la maison hier. Voilà celle-là qui a fait ceci. Est-ce qu'on est venu ici? Est-ce que c'est tout le monde qui est venu en Europe pour construire les maisons en Afrique? Est-ce que c'est tout le monde qui est venu? Vous vivez en Afrique, mais construisez vos maisons de vacances là-bas ou bien des maisons commerciales. Quand que tu construis ces petits trucs comme moi, j'ai fait mon petit auberge là. Hein? Qu'est-ce que mes vieux jours, moi, je vais aller rester là-bas, je ne veux pas manquer même 1000 francs par jour là-bas. Parce que les auberges marchent très bien au pays là-bas. Nous, si c'est 2000. Il y a les chambres de 2000 là-bas, les chambres de 10 000, les chambres de 15 000. Les Warriors. C'est comme tu fais ton lit que tu dors. Ma première maison, il y a combien de chambres? 1, 2, 3, 4, 5 chambres. La première maison que j'ai construite chez ma mère là. Sans les dépendances, sans compter dépendance des rêves, sans compter la villa. Tout ça, ça m'appartient. Qui veut savoir ça? Et bien, voilà, je ne suis fait pas la concurrence avec les gens. Oh, mais surtout que je ne suis rien, je suis pauvre. Ça fait quoi? Hein? Tout le monde demande. Il y a des gens qui, quand ils demandent pour eux, c'est sucré. Quand moi, ils demandent, ils ne me donnent pas. Hein? Moi, mais je passe souvent quand moi. D'abord, même, j'allais même partir au Cameroun, même quand là. Ces jours, j'allais atterrir là au Cameroun. J'ai appris qu'on a vendu un de mes terrains là-bas. C'est après qu'ils ont dit que non, ils n'ont pas vendu mon terrain. Moi, j'ai mon bien, beau ça. Moi, je m'en fous, je pars, même si ça fait 5 jours, je pars, je reviens. Que quoi? Comme par exemple, je vous ai expliqué ici à Facebook que. Je suis parmi les premières femmes qui montraient que j'ai acheté la forêt. Les gens se moquaient de moi, que les gens montrent les maisons qu'ils ont déjà fait, les meubles, toi tu achètes les forêts. Aujourd'hui, je suis étonné à Facebook que tout le monde a les forêts.
Je suis étonné qu'à Facebook, maintenant, tout le monde montre que voici ma forêt que j'ai achetée. Voici ma forêt que j'ai achetée. Quand j'ai acheté les forêts ici à Facebook, vous étiez où? Mais ça, vous vous moquez de moi ici à Facebook. Vrai ou faux? Vous avez oublié? À l'époque de Congo ça et tout ça, vous avez oublié? J'ai parti filmer que j'étais content que voilà ma partie des terrains que j'ai acheté. Je montais tous mes terrains que j'ai achetés. On dit que oh, les gens se moquaient de moi. Ils se foutaient de ma gueule ici à Facebook. Oh, les gens montent. Natacha Dash montre comment elle a construit la maison. Toi, tu viens monter. Je dis que mais avant de monter ça, j'avais déjà construit. J'avais déjà quand même fait quelque chose dans ma famille. Qui avait vu ça? Personne. Il y a des gens qui, eux, ils montent leur forêt, on accepte que, oh, vraiment, félicitations. Quand moi, je montre ma forêt, qui m'a dit félicitations ici? Il y a des gens comme ça, il faut accepter. Oui. On je ne vais pas mettre Jacques Oula comme ça. Attendez. Je vais vous apprendre. Oui, on parlait de l'histoire de... On parle de l'histoire des maisons. Attendez d'abord. Je bois d'abord un peu d'espérado. Vous savez que je suis veuve désespérée, non? Veuve misérable. La veuve la plus misérable de Facebook. Bichi, c'est la desperado que je te donnais hier, que je t'ai tendu hier, que tu n'as pas voulu hier. Aïe. Parfois, il y a aussi un problème. Tu vois peut-être le Cameroun là. Les gens parlent de Cameroun ici en Bengue. Allez encore au Cameroun, il y a déjà certaines autoroutes. Il y a déjà le il y a déjà. Allez voir là où tu as laissé la papaye. Là, tu as laissé une vieille maison. C'est déjà les mêmes. On a déjà les gratte-ciels au Cameroun. Il y en a les gratte-ciels. Mais allez-y, on peut faire un tour, non? Les gens font le Cameroun parce qu'ils ont l'image du Cameroun comme avant. Et les gens vous montrent seulement les... Est-ce que vous allez visiter pour votre pays? Vous êtes assis sur Facebook. Ah, Cameroun à quoi? Parce que les gens partent au Cameroun. Vous avez vu quand j'avais demandé qu'on chasse les petits machins là du Cameroun, on appelait comment? Les phénix. J'ai crié à Facebook, boum. Le matin, on est venu porter. Non, ce n'est pas ça, ma soeur, non. Non, mais c'est des gens qui disent que je suis désespéré, non. Je connais pas. Bon, je répète ce que les gens disent. Comme vous vous souvenez, j'avais une histoire, cependant, c'était même passé l'été, il y a un petit gars gabonais qui est parti au Cameroun. Il avait insulté, on appelle le type là comment? Bongo. Vous connaissez Omar Bongo. Je lui ai dit que, même si le régime en place est comment, on supporte le régime en place. Soit, tu ne supportes pas, tu t'étais. Le Gabon, ce n'est pas comme le Cameroun. Le Cameroun, là-bas, pour lui, est habitué que ses enfants l'insultent. Tu vois, non. Pour lui, j'ai habitué que, ah, ça n'est pas lui. Pour lui, c'est qui? Il est déjà habitué. Mais au Gabon, tu ne peux pas dire que Omar Bongo, c'est qui? Ou Ali Bongo, c'est qui? Jamais. Que, il a commencé à framponner le Gabon. Il part faire des dons au Cameroun. Mais, je n'ai pas refusé le don qu'il part faire au pays. Mais là où il filmait, vous me comprenez? Je vois les vidéos. Il part filmer que les vieux quartiers là, que là où il y a les petites maisons en carabote qui sont posées en genre là. Vous voyez, non? Ça, ce n'est pas une bonne image du Cameroun. Non. Dans tous les pays, même ici, il y a les taudis. Même ici, là où on vit, ici en France, il y a les taudis. Là où les Roms vivent, là les périphériques, là. Nous, on est au courant, non? Vrai ou faux? Vrai ou faux, mes Warriors? Il n'est pas, tu dis qu'il n'est pas fait les dons. Il n'est pas filmé le Cameroun. Il n'est pas filmé les quartiers, il connaît que les quartiers là où il y a que des. Il n'est pas fait les dons. Les quartiers là où il y a que des gens. J'ai dit que. J'ai crié, j'étais à Carcassonne. J'ai commencé à faire des problèmes là-bas. Peter 007, français n'est pas en prison. Non. Oh, il a fait une garde à vue, mais il est sorti depuis. Vous n'êtes pas au courant? Vous êtes, moi, c'est moi qui vous avais dit ça. Peter 00, il partage l'argent. Il n'a jamais été en prison. Il a fait une garde à vue. C'est tout.
Vous ne voulez pas entendre ma parole. Parce que vous savez que moi, les gens de Yopougon, là, je n'ai pas parlé d'eux. Vous avez remarqué que la seule personne qui ne parle pas de Yopougon, c'est moi. Mais il n'a jamais été en prison. Il a fait quelle prison? Il allait voir dans et tout. Les gens le filment partout. Ils partagent l'argent là-bas en Côte d'Ivoire. Où il est déjà rentré ou quoi? Il est en prison où? Vous prenez toujours. Attendez, moi, mais quand il va partir, on va mettre en cellule, mais pendant 2 heures, vous allez que je suis en prison. C'est du n'importe quoi. Laissez ça. Les Japap là-bas, de ce côté-là, il n'y a plus les Japap là-bas. Les Japap est venu poser sur notre côté aussi. J'avais dit zéro paix ici. Quand vous ne connaissez rien. Quand vous ne connaissez rien, il n'a jamais fait la cellule, ce mec. Hein? Arrêtons un peu. Bon, vous savez, moi, tu sais, moi, je ne suis pas que. Ces gens-là, je les vois dans les milieux, ces Champs-Élysées, hôtel au cost. Je les vois souvent, les Leslie et tout ça, c'est cette bande-là, Plaza Athénée. Moi, je n'ai pas besoin de filmer les gens. Je les vois souvent, je vois leur comportement et tout, mais non. Parce que moi j'ai ma façon de vivre, mes petites choses que moi, je fais dans le noir, que je ne veux pas partager avec vous. Oui, moi, je vous dis que je n'ai pas de vie, tant mieux si je n'ai pas de vie. Mais moi, j'ai des choses que j'ai décidé que même si je fais quoi, je ne filme pas. Je ne montre pas. Oui, je vois ces gens-là. Ils sont abonnés à Plaza Athénée. À la rue, comment on appelle ça? Là où il y a la rue de quoi là? C'est là où il y a Dior là, et Chanel là. Les gars ont été là, Plaza Athénée là. Sur les Champs-Élysées ici en bas là. Dans les 8e là, je crois, oui. Plaza Athénée. Ils sont là-bas. C'est les Ivoiriens qui commandent là-bas. Ils s'asseyent là-bas tous les jours. Ils font les films. Ils mangent les trucs. Ils font les business là-bas avec les filles et tout ça. Tous ces filles-là sont là-bas. Souvent, ma commande la nourriture, c'est moi qui passe souvent l'hiver, que je vous ai dit ça. Non, pas Place Vendôme. Non. Place Vendôme, c'est à part, hein, ma chérie. Place Vendôme, c'est là où il y a les rizes. Place Vendôme, c'est là où il y a les rizes. Les rizes, c'est à Place Vendôme. La grande place là. Les rizes en place. Et comment on appelle ça? Place Athénée, c'est à la rue de quoi là, on appelle ça hein? C'est les Champs-Élysées là, le 8e là. Place Athénée, l'hôtel Place Athénée. On doit s'abonner où? Tape le truc vert là, non, tu payes 4,50€ tu t'abonnes. Oui, non, parce que moi, il m'en faut l'ordinateur. Si avant, j'avais l'ordinateur ici. Quand mes enfants sont venus aussi faire les brugans djanga ici, même l'ordinateur, je n'ai pas venu penser, non, je n'ai pas venu penser à ça. Parce que je pense, mais le matin que mes enfants m'avaient jeté dehors ici, là, j'ai envie de mourir. Ah, le matin. Ouais, non. Non, peut-être, on va aller faire un beauty. Comme tu es d'abord beaucoup là, on va aller faire un tour là-bas. Je vais te montrer, on va aller boire un verre au riz. Oui. Le perchin, tout ça, là, c'est. Je les vois souvent là-bas, les Apoutou. Tu vois Apoutou en vrai. Mais Apoutou, à la Avenue Montaigne. Eh, Rosie Fan. Oui, c'est ça, Avenue Montaigne. Oui, c'est là-bas qu'il y a le. Avenue Montaigne. C'est là où il y a le Place Athénée. Place Athénée, c'est tout un quartier. Hein? C'est là-bas que les Ivoiriens partent maintenant, maman. Tu vois comment Emmanuel qui t'a passe. Tu vois comment ils ont ouais. Aïe. Merci ma soeur. L'avenue Montaigne. Eh, Anti. Parce que là-bas, il y a tout. Joy en face et tout et tout et tout et tout. Aïe. Tu sais que ma, on ne montre pas tout à Facebook, hein. On ne montre pas tout. Aïe. Tu vois, on va aller là-bas, on va aller boire un verre. Mais les endroits comme ça, avant de partir là-bas, on va aller au Matignon aussi, le Matignon. Avant de partir, on appelle. Tu les vois passer, hein? Vous partez même où? Georges Seng, il faut les voir au bar. Même l'eau, Georges Seng, coûte 50€. Vous, tu peux payer l'eau. 50€. Je dis que, quand je les vois, sur... Aïe! Non.
Ah, merci ma chère. Nouveau sponsor. Merci, Elena Kona. Voilà, il faut vous abonner comme Eleonore. Elinora, ici c'est la joie. Nous, on aime la joie ici. Ce n'est pas tous les jours. D'aller sur au Manco. Je ne connais pas. Je ne connais pas. Tu sais, moi j'ai encore les vieilles habitudes. Hein. Moi je pars toujours dans les endroits que j'ai connus. Oui. Et puis ce qui m'avait marqué, ils sont allés livrer la nourriture à Place Athénée. Et il y avait un gars qui m'a dit, mais je vous connais, vous. Parce que le jour-là, quand on avait pas la commande, on m'a pas dit là où je vais aller livrer la nourriture. On me dit seulement que vient l'avenue Montaigne, immeuble Dior 145. Je vois seulement mon taxi me dépose, maman. Il fallait me voir avec les mamies de nourriture. Il y avait mis quand même, c'était quand même très bien. J'avais fait un dolet, héros, poisson. Parce que vous savez que les gens d'Afrique de l'Ouest mangent beaucoup plus tout ce qui est vert, là, les trucs verts. Ils mangent beaucoup ça. Ils adorent, comment on appelle ça, tout ce qui est un peu fécule, quoi. Ils adorent des trucs comme les héros, les dolets, enfin tout ce qui est peuvent faire, quoi. Tout ce qui est préparé comme ça, ouais. Ils sont très bien. Et comme elle était petite, tout à l'heure, j'avais seulement fait confiance aux gens comme ça. Hein. J'ai dit, oui, ça va, je vais ici là. Et puis, ils voulaient que je vienne rester avec eux, mais non. Il y avait Leslie, il y avait Apuchou, il y avait. Ils étaient nombreuses là-bas. Ouais. Allez, toi, et le Queen. C'est géré par Tony, oui, Tony Gomez, ouais, je vois, qui était au Queen. L'étoile. Et l'étoile n'est plus l'étoile. Il n'y a plus l'étoile. Parce que je suis passé là-bas, même. Maman, l'étoile, j'ai râlé alors. Putain de bordel. Voilà alors, une boîte de nuit à la con que les gens prenaient la drogue. Hey, devant aux yeux de la police. L'étoile. Mais vous savez, il y a les gens qui ont le Green Bay ici dehors, mais Warus. Tu attends même ce qu'on appelle étoile là. Hein? Il n'y a même pas la piste de danse. Les gens dansent où? Les gens viennent seulement s'asseoir là. Vous dites seulement que j'étais à l'étoile. La petite piste de danse, c'est comme mon petit sillon de chambre si les gens se serrent là. Mais c'est quoi ça? Mais il faut alors voir la ligne qui est aux toilettes. L'un de bas de ça. Oh, putain. Vous savez vraiment, c'est. Je me suis rendu compte que les gens cherchaient vraiment là où partir. Vraiment? Et vous voyez les voitures qui se garaient à l'étoile. Mais c'est vrai qu'en haut, quand même, c'était beau parce qu'il y avait un restaurant en haut. Il y avait, parce qu'en haut, c'était plus chic, hein. Restaurant et tout. C'était trop select aussi. C'est là-bas que les fils des bourgeois allaient là-bas. C'est du n'importe quoi, hein. Parce que souvent, vous savez, les endroits, quand tu entends que c'est le nom s'est fait vendre. Parce que tu peux. Maman, à l'époque, je. Maman. Quand tu entres quelque part, tu crois que tu vas seulement trouver que tu habites là-bas. Que Alléluia, Amen. Mais Waros, tu entres, il n'y a rien. Tu dis que merde. Donc, j'ai fait la queue. Et il faut voir la queue qu'il y avait pour entrer dans les choses aussi. Tu dis que. Mais de les queues, c'est quoi? Vous savez pas que ma publicité aussi doit marcher. J'ai le travail. I'm working. Ah, j'ai dit que je m'avais pissé. C'est comment depuis que je m'avais pissé, vous racontez l'histoire des maisons. Personne ne me dit que la femme va pisser. Aïe. Non, mais t'as pissé mon bien avec toi, j'arrive. Oui, Tony Gomez, je vois. Le beau mec, la grande était comme ça, avec les cheveux un peu. En bataille, non? C'était lui, non? Ah, oh, quand la voix, je l'ai aimé encore les bons blancs ici dehors. Mais moi, je ne l'ai jamais aimé. Il était pourtant gentil. Oui. Oh, Paris est fini. Maintenant, tu vois là-bas. Il est sosie. Les sosies de. Maintenant, les filles, les sosies, on appelle la fille là comment? Kim Kardashian. Ah, ça me voit. Les sosies de Kim Kardashian que tu vois là-bas. Les seins. Les ventres plats, les fesses derrière. J'ai dit que, attends. J'ai dit, mais attends, je suis encore à Paris là. Les bouches.
Je dis, mais j'y attends. Si tu vois les filles là, Niwaros, si tu les vois, aïe, 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 aïe. Wonderful. Les vies pour me fermer. Je suis même parti là-bas un jour. Peut-être. Tu sais que moi, j'ai d'accord comme ça. Maman, je m'avais fait pipi parce que les pipis, pour moi, c'est que ça me bloque souvent comme ça. Après, ça devient un problème pour pisser. Comment ça va pisser? Tasse, tasse, tasse. Ouais. Attends. Voilà, merci. Faut ça. Attends, je cherche. Ouais. C'est vous qui avez appelé le whisky ici. Si, si. Quand je veux boire, je vais commencer à appeler à Facebook. Vous avez dit que quoi? Bon, je vois, on va raconter l'histoire. Histoire raconte. On était dans l'histoire des maisons. L'histoire des maisons, c'est que quelqu'un va mourir ici en France. Vous connaissez, bon, je ne veux pas citer son nom, mais c'est une femme qui a souffert. But tu es parti avec le truc hier. Ah, le cookie. Oh, tu as raté le cookie. Oh, j'avais mon cookie de mon anniversaire là, c'est là. La prochaine fois, tu viens chercher, But. Le cookie. Je ne peux pas bien comme ça, tu vas manger mon cookie. Malheureusement, je n'avais pas mis de piment dedans. Parce que je vais faire les courses ces jours-ci pour amener pour les fêtes de Noël. Anniversaire de Namangwe, c'est bientôt. Hein. Vous n'envoyez même pas les cœurs pour les Namangwe. Vous n'envoyez même pas les étoiles pour les Namangwe.
Inamango et sa grand-mère qui va nous voir. On était déjà connus là-bas à Carcassonne. Inamango et sa grand-mère, tous les gens nous voient. On s'habillait pareil avec les mêmes chapeaux. Oui. Elle manque beaucoup, sa petite-là. Bon, asseyez-vous alors bien de voir. Voilà une soeur ici. Une soeur Douala avec son mari Douala. Ma soeur Douala là et son mari Douala. Ils ont eu 3 enfants. Le mari Douala, comme ceux que les Douala sont des hommes. Je vais vous dire, moi, je vous préviens que les Douala, c'est le peuple le plus infidèle du Cameroun. Les Douala, il y a les Douala et les Mbo. Le Douala ne sait pas ce que c'est que la famille. Le Douala aime seulement sa mère. C'est pour ça que vous voyez les mamans Douala vivent longtemps parce que leur fils les aime plus que tout. Donc, le Douala là, non? Donc, il vient ici, comme les filles aiment entendre que. Ou c'est elle qui a donné le papier là. Parce qu'à l'époque, ici, quand les gens arrivaient ici en France, étant jeunes ici à l'époque, le papier français était facile à voir ici. Oui. Donc, elle fait venir son gars. Son gars, les papiers. Écoutez bien ce que je vais vous raconter l'histoire-ci. J'ai déjà raconté une fois dans mes anciennes vidéos, vous n'avez pas compris. Je bois de mon pot d'agobert. Ceux qui veulent rire vont rire. Ceux qui veulent quoi vont quoi. Mais ça existe. Vous savez que moi, quand je bois d'agobert comme ça, lui et moi, on devient encore collé, barré collé. Donc, ma soeur là, voilà, c'est venu. Son gars, le gars, dès que le gars a eu les papiers, les gars ont commencé à sortir jusqu'à aller faire une nouvelle famille dehors. Le gars, ils habitaient dans un HLM. Le gars, il travaillait. C'est la femme qui est à la maison. Et c'est le gars qui avait. Parce qu'à l'époque, je ne sais pas comment ça se passait, parce que c'est les hommes à l'époque, même à la base, c'est les hommes qui touchaient la CAF, vous vous souvenez. Parce que les lois ont changé, hein, parce que les. Je ne sais pas comment ça se passait à l'époque, parce que c'est les hommes qui touchaient d'abord la CAF et tout. Ma chérie, je ne prépare pas pour l'instant. Quand le truc va. Le coquille que j'ai fait là, c'est le coquille que j'avais fait à mon anniversaire. Et j'ai préparé, je ne prépare pas pour l'instant. Mais quand je veux commencer à préparer, je vais vous dire. Vous comprenez, non? Quand je vais commencer à cuisiner, je vais vous dire. Pour l'instant. Tant que ma cuisine n'est pas encore dans les normes, je ne peux pas. Parce que si je commence à encore préparer, que j'ai des clients, on va encore m'appeler la police. On va encore appeler. Les jaloux vont encore faire comme d'habitude là. Je n'ai plus besoin de. Je ne veux plus. Dagobert ne manque jamais. Je vais mettre la musique tout à l'heure. Vous connaissez les musiques des. Vous connaissez les. Il faut écouter ce que je vous dis. Hein. Vous connaissez les magasins d'épouvante là. Bon, les magasins des magiciens. Les magasins de magie. De magiciens. Tu vois, non? C'est-à-dire que je peux mettre le feu sur moi comme ça. Ça ne brûle pas. Vous voyez comment je marche comme ça devant vous. Alors que c'est juste une illusion, quoi. C'est l'illusion des magiciens. Parfois, vous voyez un peu la maison de la magie. Là où tout est réel et ce qui n'est pas réel. Massa. L'homme camerounais est mauvais. L'homme camerounais, quand lui veut dire qu'il calcule sa cible, hein, il a failli rendre ma soeur la folle. Il est parti, les Warriors. Dans le tue de. Donc, il avait vu un film de Colombo, un film de quoi. Il est parti payer le tout de la magie. La carte est que. Il met les mains dans la table. Quand ils sont en train de manger. La table se soulève comme ça. Donc lui, il appuie. Donc à côté que là, quand il mange, il met les trucs, les ressorts. Il met les ressorts en bas de. Parce que ce n'est pas comme ça. Donc il met les ressorts en bas de la table. Dans les quatre. Et puis quand ils sont en train de manger comme ça, il appuie un petit truc. Tic, il fait comme s'il part aux toilettes. Il peut appuyer les petits trucs là. Et la table commence à. Bah oui, ça se passe comme ça. Bon, je vous apprends à manger maintenant.
Donc, ce que vous voyez dans les films là, la table, c'est les ressorts, mais les ressorts qui sont un peu comme invisibles, que les gens ne vont que voir que la table est en train de monter, mais personne ne va voir en bas que qu'est-ce qui fait que la table si bouge en bas, alors que ce sont des trucs qu'on a mis, un truc qu'on a mis dans des ressorts qu'on a mis en bas pour que la table se soulève. Il met les micros de la maison. Tu entends les voix des morts là. Tu vois, comme dans les films, tout ça, c'est des. Qui, vous savez que moi je vous. Bon, c'est des choses qui ne se disent pas, mais ça se fait. Le type là traumatisait sa femme à la maison pour le HLM. Pour le HLM. Et pour récupérer la CAF. Vous savez qu'ici en Europe, quand la femme a des enfants avec la CAF, vous savez combien elle verse souvent des millions par mois. Donc, ce qui fait qu'elle s'en fout, elle fait sa vie. L'homme ne sait plus à rien. L'homme alors dit que je vais te montrer que impossible n'est pas camerounais. Il est parti dans le tour de magie là. Parce que ça existe ici à Paris. Il est parti là. Bonjour Yannick, ça va? Il est parti. Il va prendre et tout là. Mettre la table. J'ai foutu que. Écoutez-moi très bien. Il est parti mettre les ressorts dans la table. Il va mettre les ressorts sur la table et tout ça. Et quand il rentre, ça va, tout le monde va bien et tout. Oui. Et souvent, avant d'arriver, le truc, la petite machine là qui l'appuyait là. Et s'il arrive, donc, il arrive dans le quartier. C'est un truc ça pouvait agir même à 30 km. Donc, avant d'arriver, il part d'abord s'asseoir, même dans la journée comme ça, quand il y a peut-être, bon, comment on appelle ça, à midi, il faut manger, déjeuner et tout. Lui, quitte son travail, il prend la voiture. Il est resté tout du quartier. Comme il sait que les enfants sont à l'école, sa femme est seule. Il appuie le petit tout là. La femme commence à entendre comment les gens marchent dans la maison. Bon, bon, bon. Tout ça, ce sont les petits émetteurs qu'il a mis dans la maison. Hein. Donc, il appuie. Et la femme commence à être traumatisée. Donc, tu entends comment quelqu'un marche. Bon, bon, bon. Tu entends comment les portes font. J'ai dit que le Camerounais. Traumatiser la femme, que la femme devient zinzin, qui prend le droit de paternité et la CAF et tout ça et tout ça, et il pense à un gars qui l'a fait venir du Cameroun. Hey! Impossible n'est pas Cameroun. C'est comme ça, alors qu'il fait ça, il fait ça, il fait ça. Vous savez que moi, quand tu viens me raconter ton histoire, non? Et j'écoute et tu regardes que les gars m'ont embouti aussi. Après, elle me dit, elle me raconte l'histoire, elle est venue me raconter, c'est ici en Ouganda. Hein. J'écoute. J'ai dit, mais au début, moi aussi, j'ai un peu vu peur parce que elle me dit, maman, tu entends comment les gens crient. Donc, il la rend dingue. Donc, en sorte que quand les enfants vont rentrer, il lui laisse un peu de répit. Quand les enfants rentrent de l'école, que les enfants voient seulement que leur mère est fatiguée. La maman ne restait plus à la maison, ne se maquillait plus. C'était son mari qui est parti prendre les choses là chez les magiciens là-bas. Quand que tu attends, comme si quelqu'un marche au salon. Poup, poup, poup. Tu attends comment une porte ferme. Poup! Il avait tout arrangé comme dans les films là. Parfois, quand il avait mis tous les mécanismes. Chaque mécanisme va marcher à telle heure. Ça veut dire que quand. J'ai dit qu'il supervisait tout. À longueur de journée, la porte s'y s'ouvre seule, l'autre se ferme, boum, l'autre se ferme, alors que c'est lui qui manipule tout ça et tendance. Ouais. Quand la goutte a, il dit qu'on joue comme ça, la nuit, il voit son mari qui est en feu. Une histoire vraie, hein? Attends. Il voit comment son mari est
viens devant elle, habillée en feu. Pour elle, c'était comme si c'était un rêve, alors que c'était la réalité. Laisse-la tranquille. Calme, alors dit que les gondes soient pour que l'histoire soit alors vraie. Il avait fait ça un vendredi. Qu'il y avait, sa soeur était là, la soeur de la femme était là, les enfants étaient là. Donc il a alors fait le roi dans la catégorie. La table s'est soulevée seule. Commencer à faire comme ça. Alors que c'est les ressorts que les parties mettent en bas de la table. Elle est tombée dans le coma. On l'a amenée à Sainte-Anne. Boum, elle a demandé le divorce. Quand elle se réveille 8 mois plus tard, boum, elle va aller chez elle. Le mari, elle a demandé le divorce. Il a déjà épousé une autre femme. C'est comme ça alors que, vous savez que moi j'aime souvent regarder les vieux films, non? Elle me raconte l'histoire là. La veille, j'avais regardé Colombo ici. Il y a une histoire comme ça qui s'est passée ici à Colombo. Et, il a fait quoi? Ça s'est passé quand? Et quand elle me parle de ça, elle n'est plus avec lui. Hein. Elle est maintenant à l'hôtel, on l'a mis à l'hôtel. On l'a jamais à l'hôtel et tout, et tout, et tout. Hein. Elle l'a mis à l'hôtel et tout. Elle a demandé encore notre HLM. Et c'est le monsieur qui a occupé la maison, les enfants, et qui a fait venir sa petite Njomba du pays, qui a épousé ici. Il s'appelle monsieur Dika. Pour vous dire à quel point l'homme camerounais n'est pas allé loin. C'est comme ça alors que la pas que les doigts là aussi, soit que les doigts là sont mélangés avec les yabassins. C'est qu'au Cameroun là-bas, la magie des yabassins, c'est le feu. Comme ça alors que j'étais ici, elle m'a raconté l'histoire. Je lui ai dit que non, c'était une phase qui te faisait. Elle m'a dit que non, j'ai dit que viens, je te montre le film. Il a vu ça dans un film. Colombo avait tourné, il y a eu un film de Colombo que ça s'est passé comme ça. Il dit que tu veux pas le film, c'est ce que tu m'as raconté là. C'est... Elle me dit. La veuve joyeuse, c'est vrai. C'est ce que j'ai vécu chez moi. Il dit que bon. Pour finir avec lui. Hein? Tu es française, non? Va au pays. Le mec a divorcé de la femme. Il a récupéré ses 3 enfants qu'il a eu avec ma soeur là. Ma soeur doit là. Ce Dika. Parce que il y a aussi un problème. Les femmes doit là sont aussi trop soumises. Voilà aussi un problème qu'il faut parler aussi. Les femmes douala sont comme les Congolaises. D'abord, les douala sont comme les Congolais. Ils se marient entre eux. D'abord, les douala sont les Congolais pour commencer. Je ne veux pas parler avec vous. Maman, vous vous mariez entre vous, vous. Vous devez rester en communauté. Et vous devez parler votre patois. Maman, je suis en train de boire le desperado. Parce que les... À vos maris là qui ont le bougoub là, ils ont des petits bougoub là, je ne sais pas ce que vous cherchez, mais là-bas derrière eux. Vous cherchez la famille. Tchaï! Parce qu'il faut voir comment les gars tout là maltraitent leur seul doigt là ici là, comme les caca. Comme la merde. En tout cas. Moi je suis une doigt, j'ai vécu à toi là, je sais ce que je parle. J'en sais quelque chose. Quand la fille m'a raconté c'est ici. Tu connais que moi j'aime seulement quand on tue les gens, non? Moi je ne peux pas te dire, moi je ne peux pas te raconter. C'est quoi ici? Donc, la femme me raconte l'histoire. Je lui dis que non, c'était un commenté et tout, parce qu'il voulait faire venir Sanga et tout. Oui. Il est parti quand ma soeur était à Sainte-Anne là-bas, parce que pour elle, tout ce qu'elle voyait, les portes qui clapent dans la journée comme ça, intensement, corse. Les gens font, les gens marchent partout, les portes qui clapent, les cris incessants. Il l'a rendu tellement bête qu'un. Hein? Pour que ça finisse, il a seulement soulevé la table une fois. Zzz. La table, il a soulevé la table. La femme est tombée évanouie. Et il a tout vu. Donc c'est pour que ça prouve alors que vraiment il y a que la maison là, la est hantée. Le mec lui a fait divorcer que da da da. Il a signé le papier.
Parce que les filles doivent là, vous savez, elles sont. Vous savez, je sais pas quoi. Moi, j'ai vécu au Cameroun, j'ai vécu un peu avec beaucoup de communautés, beaucoup d'ethnies. Je vois un peu, je sais un peu qui est au niveau du Cameroun. Parce que j'ai eu la chance quand même d'avoir mon beau-père qui m'a amené partout, qui nous amenait partout. Il était commandant quand même. Donc, on voyageait sans arrêt, on ne restait pas sur place longtemps. Les Douala. Tu vas les voir, tu vas voir les gars Douala quand ils. Un homme est marié, mais chaque temps qu'il est au pays, il part seul. Vrai ou faux, les Warriors? Vrai ou faux? Il faut les voir à Facebook. Tu ne les vois jamais en couple pour voyager ensemble pour aller au pays. Soit la femme part seule avec des enfants, soit l'homme, il part toujours seul. Ils partaient toujours seuls. Et regarde, voilà. Ils ont une double vie. J'ai une histoire. Une fille qui a fait, jusqu'à construire l'immeuble au pays avec son mari Douala. Et que c'est elle qui a fait ça. Dès que l'immeuble est fini, il a demandé de divorce, occuper l'immeuble. Soit disant que. Et ils aiment quand les femmes viennent construire dans leur terrain ou le terrain du cousin pour récupérer après. C'est comme ça, alors que quand ma fille m'a dit c'est ici. Je lui ai dit que regardez, je vais te. Parce que moi j'ai souvent les films là. Je lui ai dit que voilà les films alors que tu as vu chez toi. Voilà. Je lui ai dit que tu ne connais pas les marabouts d'abord au pays. Elle m'a dit que non, tu sais. Parce qu'elles aiment toujours leur mec. Elles aiment toujours leur mec. Hein, parce que moi tu me fais aïe. Je te fais ouïe. Tu me fais aïe, je te fais ouïe. Moi c'est comme ça. Dent pour dent. Elle m'a dit ouais. Comment tu me parles de choses comme ça sur le père de mes enfants? Elle dit, le père de tes enfants qui t'a rendu folle à Paris, quand tu as fait venir de Paris ici, hein, tu travaillais ici dans les chin-chin, dans les cam-cam, payer ses études, et devenir ingénieur. Il t'a fait 3 enfants. Tu as donné les papiers. Aujourd'hui, c'est lui qui peut prendre les choses chez les magiciens. Les magiciens dans les trucs de magie là, pour venir t'effrayer chez toi. Il te rendre folle, que tu deviens folle. Il a récupéré la maison, tes enfants. Il t'a donné quoi? Le divorce. Il est parti prendre sa petite Njomba parce que les petites Njomba du pays, elles ne s'amusent pas. Hein? Elles ne s'amusent pas. Hein? Tu as dit qu'on va se marier, non? Parce que quand ils partent au pays, là-bas, ils disent qu'ils sont divorcés, s'ils n'ont pas de femme. Tu entends seulement que la mère de mes enfants. Tu n'entends pas que c'est ma femme. Mais c'est quand on va creuser que tu entends que on a douté. Il y a eu mariage. Parce que les Douala, c'est ça. Les Douala n'assument pas leur femme, comme vous voyez là. Tu entends seulement que la mère de mes enfants. Il n'y a pas que ma. Parce qu'on sait que les Douala, c'est les gens que quand tu vis avec un Douala d'abord. C'est les gens. Donc ce sont des gens que tu vis avec depuis des années. C'est rare que tu vois les Douala se marier chaque temps. Mais les autres communautés se marient beaucoup plus que les Douala parce que les Douala aident-moi à vivre. Vous voyez un peu? Ce sont les Douala qui sont ici. Maman. Et leur sœur, elle les aime jusqu'à. Quand tu vois, quand tu suis. Il y a combien de mariages de Douala ici à Paris que tu parles aux Douala, que tu entends que les deux Douala sont mariés? Si y a 100% des Douala ici, il y a peut-être seulement 2% des Douala qui sont mariés. Parce qu'ils aiment. Tu entends que. Ils ont déjà fait 50 ans ensemble. Ils ne se marient pas. Mais ils pondent les enfants. Ou bien ils ont peur de marier, quoi. Ou on demande qu'elle d'autre là-bas ou là. Je ne sais pas. Moi, j'ai des cadeaux. J'ai jamais entendu que. Coulou, 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 coulou. Voilà monsieur et madame Dobé qui sont mariés. Jamais. Tu vas entendre que coulou, 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 les Bassas se sont mariés. Les Yaoundé se sont mariés. Les chefs de mariage, alors c'est les Bamiléké. Les Bamiléké, eux, ils se marient que chaque temps, chaque temps, chaque temps. Tu ne peux pas entendre que les Douala se sont mariés. Moi, je vous dis. Même ici à Paris, si tu vois un Douala épouser une femme Douala ici, ça veut dire qu'ils ont. La femme a déjà tellement insisté, et que c'est la femme même qu'elle-même paye le mariage. Que c'est la femme même qui paye le mariage pour dire que je suis madame telle. Parce que les femmes Douala sont nées pour payer les hommes. Elles sont nées pour travailler pour les hommes. Elles sont comme les entières et leurs femmes. Oui. C'est rare que tu entends qu'un Douala te dise que. Voici ma femme là-bas. Ils m'entendent qu'ils partent faire des mariages coutumiers.
T'as accoutumation de ça. Mieux je bois ta poubelle. C'est comme ça alors que Warus. Je dis à ma soeur là que n'est-ce pas, tu as une famille dans Adoua, à Yaoundé, non? Mais tu ne connais pas, va chez les Yabassiens. Je ne sais pas si c'était ton mari. Il t'a fait du mal. Non, pas veuve. Comment tu me fais ce genre de choses? C'est quand même le père de mes enfants. Je dis, ah ouais? Il t'a traîné dans la boue. Il t'a menti. Il a failli te rendre folle. Et toi, tu es tué là que c'est le père de mes enfants? Aujourd'hui, il est parti prendre sa petite Njumba. Il est parti l'épouser au Cameroun. Et comme il est français, elle est entrée dada. Ici. Il a donné les papiers que toi tu lui as donné. Lui, il a donné ça à une autre femme. On t'a foutu dehors. Tu es là dans les hôtels. Tu es dans les hôtels. Tu dis que le père de mes enfants. C'est normal ça. Que tu erres dehors dans les hôtels. Tu dis le père des enfants. Mouf. Il dit que va à Yabassi. Voilà tout le monde. Tu connais son nom, non? Dika. On a appelé le marabout ici. Tu vois que moi, je suis trop champion pour les choses comme ça. On a appelé. Elle est partie. Arrivé là-bas. Ta veuve. J'ai dit que. Pas de Sissi là-bas. Il perd d'abord son travail. Parce que dès qu'il perd le travail, il n'aura plus. Mais vous savez, c'est très facile de faire du mal aux gens, tu sais. Mais pourquoi est-ce qu'il faut réfléchir? Parce que dans la vie, vous allez dire que bon, la veuve joyeuse, elle est un peu méchante et tout, non? Parce que vous ne réfléchissez pas comme moi. Vous ne réfléchissez pas comme moi. Oui. Il faut couper le mal par la racine. Quand tu fais quelque chose, hein, moi je vais t'atteindre là où tu ne t'attends pas. Parce que s'il a quitté, non seulement il a pris les HLM, il a pris les petits ou la CAF, il avait la CAF et puis les RSA. Donc, je dis qu'il avait tout pris, les droits des enfants, tout. Pour donner ça à qui? À la nouvelle femme, que c'est leur nouvelle maman. Vous voyez un peu comment ça se passe? Et toi, tu as encore pitié de lui? T'as pitié à ça, je ne suis pas dans la pitié. Je ne suis pas dans la pitié. Moi, vous voyez, c'est quand même, je voyage avec ma fille là, pour aller voir son père au Cameroun. Je paie les billets d'argent. Dès que j'arrive là-bas, j'ai son père qui rembourse moi mon argent. Mais oui. Ok. Faut pas. Tu sais, le mal, les Camerounais sont très méchants. Malheureusement, je dis que les Camerounais sont très méchants. Très méchants. Et ils aiment taper sur les femmes. Non seulement que ça a été une femme battue, une femme qu'on a toi-même. Imagine comme je suis sur la porte, je fais boum. J'entends ici là, box. Et puis quand on dit HLM, ça veut dire qu'il y avait trois chambres. Un HLM qui a trois chambres, ça veut dire que c'est une grande maison. Vous savez un peu ce que c'est. Attends. Toute la journée, les cris, les gens comme les gens qui sont morts. Oh, 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 oh. Aïe, 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 les gens qui crient comme les sorciers. Donc, le type là l'a traumatisé pendant 3 ans. Et comme elle insistait toujours qu'elle reste dans son... Elle aimait son mari. Elle reste. Chaque fois qu'elle dit qu'elle est au Cameroun, elle me dit que non, laisse-moi, moi, je pars. Les gars doivent là, les hommes doivent là, sont comme ça. C'est toujours, ce sont des dictateurs. Moi, je vous dis. Il faut les voir à Facebook. Allez voir. Vous avez déjà vu un couple. Les gars, la plupart des vieilles femmes doivent là, Facebook. C'est maintenant qu'elles savent que le mariage existe. C'est maintenant qu'elles se marient. C'est, hein? C'est maintenant qu'elles se marient à M. Iwarus. On les épouse jamais quand elles étaient jeunes. C'est maintenant qu'elle se marie. Oh, Boudou. Un homme te traumatise dans la maison. Hein? Il va mettre les caméras partout. À une heure. Et quand, parfois, quand elle prend un peu de répit pour dormir, tu entends corse. Comme si quelqu'un marche dans ta maison. Tout ça, alors que ce sont les micros qu'il est parti mettre partout pour que sa femme devienne bête. Et toi, tu ne rends pas la monnaie de ça. Je te rends ça propre. Mais, et puis, il y a un problème. Les enfants n'ont jamais été au courant de cette histoire. Parce que les phénomènes arrivaient quand la femme était seule. Vous voyez un peu quand elle était seule à la maison, quand elle était toute seule. Vous-même, la femme de quelqu'un. Parce que si elle divorçait, c'est l'homme qui part de la maison. Tu vois, non? C'est l'homme qui va se retrouver dehors. Donc, le meilleur chemin que lui a trouvé, c'est de regarder le film Colombo. Là où on... Ok. Une belle femme. Allez la voir. Oui. Mais elle croyait, c'est moi qui lui ai dit, c'est que voilà, c'est ça que ton mari a vu.
Vous voyez comment dans les films là, non? Les gens qui disent là que, oh, comme parfois les voitures soi-disant brûlées là, les machins là. C'est un essence que tu mets sur toi. Un truc inflammable là, on te met sur toi comme ça là. Et puis tu commences à crier, oh, je brûle, je brûle, je brûle. Alors qu'il n'y a rien. Il n'y a rien. C'est un feu de paille, comme on dit. Tu vois un peu? Ce sont les trucs illusoires du film. Vous n'avez pas remarqué qu'aujourd'hui tu tues l'acteur, s'il meurt le lendemain, il réapparaît. Ou comme les films d'Alain Delon, comment je ne regardais plus. À l'époque, dans tous les films d'Alain Delon, on le tuait, non? À la fin, non? Vous n'avez pas remarqué l'histoire là. Chaque film d'Alain Delon, à la fin, il peut avoir un briquet, oui, on le tue. Le lendemain, notre épisode arrive. Il est toujours vivant. Un homme qu'on a tué, toujours vivant, il tourne tous les films. C'est là que j'ai compris l'histoire, c'est faux. On dit que film, il faut faire attention. Oui, parfois tu regardes les films, ils sont tellement beaux, tu crois que c'est la réalité. Mais il y a des films parfois qui sont basés dans les faits réels. Oui, mais les faits réels un peu arrangés, oui. Mais quelqu'un vient vivre chez toi. Hein? Souvent, elle est là comme ça, là. Elle entend comment les assiettes se cassent, boum, dans la cuisine. Elle court, elle part de la cuisine, elle regarde, elle ne voit pas les assiettes. Mais c'est pour la rendre quoi? Bête, non? Et toi, tu ne remets pas. Je lui dis que va à Yabassi. Je lui dis que je connais quelqu'un là-bas à Yabassi. Elle me dit, la veuve, je dis, ouais, je connais quelqu'un là-bas. Il va te faire. Donne seulement son nom. Il s'appelle aussi Jikaki. Maman, on fait quoi? Je lui dis que non. Parce que moi, je suis radical. Je dis, il faut qu'on fasse qu'on le chasse au travail. Parce que si on le chasse au travail, Sankara va partir. Oui. Il vient divorcer avec elle alors qu'elle a 5 ans. Signe ici, elle aussi dans la drogue et tout. Les médicaments là, elle signe. Il n'a même pas fait 2 mois, il est parti épouser la femme au Cameroun. 3 mois après, la transcription de mariage est venue et l'autre l'a remplacé. Il a exigé aux enfants d'appeler celle-là que maman. Il a dit à des enfants que leur maman est folle, qu'elle ne reviendra plus jamais. Il avait gagné son coup. C'est ici chez moi, ici, au Nganda, ici, que j'ai dit que quoi? Va, il y a là, si. Avec l'époux, je n'avais pas encore un Nganda ici. On fait quoi là-bas? J'ai réfléchi, je m'en dis que. Bah, il faut qu'on fasse qu'on enlève au travail. Que l'humain devienne fou. Et ce qu'on a fait, on enlève au travail. Il est devenu fou. Aujourd'hui, la femme a récupéré ses enfants. Et là, maintenant, elle a récupéré ses enfants. Malheureusement, les enfants sont déjà assez grands. Oui, les enfants sont grands. Oui, les enfants, il y a. Oui, parce que. Bah, tu sais, c'est pas facile l'Europe, hein. Elle a déjà une nouvelle maison, un HLM avec. Elle vit là-bas avec ses enfants. Parce qu'elle les a laissés étant petits, le temps. Il y a eu beaucoup. Il y a beaucoup de processus. C'est pour ça qu'on disait que les maisons que vous voyez, les hommes sont méchants ici. On parlait de l'histoire qu'on sait pour les maisons. Les gens sont méchants. Quelqu'un te traumatise là, ton mari même que tu as fait venir. Hein? Et il faut voir quand tu épouses un noir, que tu as les papiers français, comment, avant leurs histoires, comment ils te harcèlent. Allons, 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 allons. Et on a dit qu'on a fait que. Après, il y a les histoires ici, plein. Il y a même d'autres que tu dises que tu es enceinte, il ne veut même pas ton enfant. Mais lui, il était. Donc lui, il avait toi, il fait déjà les enfants dehors avec une autre fille. Il attend seulement que dès qu'il a les papiers français, il lui demande le divorce. Tu vas faire quoi? Ah! La fête des maisons aussi. Mais jusque-là, lui, il est toujours dans HLM, il fait. Monsieur dit qu'il a il fait déjà les petits travaux et tout ça. Mais il est toujours avec la même femme, avec 2 enfants. Mais la femme a récupéré les enfants. Il est toujours dans la même maison. La fête de HLM ici. La fête de maison en France. Mais t'as même que je reste mon seul ici. Mais oui. Elle disait que maman, qu'elle reste comme ça, ne dormait pas. Donc, comme il aimait tous ses enfants, donc elle avait un peu les repris. Dans la nuit, quand tout le monde était là. Oui. Donc, elle faisait tout pour dormir tôt. Parce qu'elle savait que le matin, qu'elle va faire les petits déjeuners aux enfants, quand les enfants vont aller à l'école, dès qu'ils partent. Et puis, elle disait que, mais je ne comprends pas. Tu sais, elle me dit, Elisabeth, tu sais, il y a un problème. Les phénomènes commençaient uniquement quand mon mari partait. Quand elle allait au travail, et quand elle allait au travail, avant d'aller au travail, ça a commencé, ça a commencé. Tout était chamboulé et tout, et tout, et tout. Mais les assiettes qui tombent, je ne voyais personne, je regarde, je ne vois rien. Donc, il avait créé un trou de peur en elle. Qu'elle ait vraiment peur. Tu vois un peu, non? Après, quand elle est au travail, parce que le truc là, c'était oui, on a arrêté. Quand au travail, ça ne marche pas. Dès que, après, elle me disait qu'à partir de midi 10, donc quand lui finissait le travail là-bas,
Il quittait son boulot pour venir rester à proximité de la maison pour appuyer encore le petit tout là. Pour commencer encore à faire les pauvres. Maman. Oui. C'était grave. Mais l'erreur qu'il a fait, c'est que moi, je voulais parler comme ça, c'est parce que ce pasteur, après, m'a dit, ouais, j'ai gagné. Ils ont trouvé le matériel. Donc, après ça, quand on a trouvé le matériel de ça dans leur cave, on a trouvé le matériel de ce qu'elle faisait suivi à sa femme dans la cave. C'est comme ça, c'est ça qui a poussé en sorte qu'on lui retire les enfants et tout. Voilà. Parce que ici, la fête des maisons ici en France, les hommes, moi, je n'ai rien contre les Douala et moi, je trouve que les femmes Douala sont trop fainéantes. Elles aiment tous leurs frères, là. Il faut voir les mariages des Douala ici. Tu n'as jamais vu que deux jeunes Douala se sont. Il n'y a que Eyoum. L'ex-mari de Lady Ponce, là, Eyoum. Vous connaissez Eyoum, non? Les Douala, là, de Lady Ponce, là. L'ambulancier. C'est que Lady Ponce avait épousé un gars Douala, non? Eyoum. Il n'y a que Eyoum qui avait fait un petit mariage, là, un peu joyeux, avec une fille qui vit où c'est à Washington. Quand elle a divorcé de Lady Ponce. Vous connaissez les gars bah, Douala là, non? C'est tout. Tu les vois comme ça de mauvais cœur. Les fainéants. Je vous dis. Ah. La fête des maisons, si. Non, mais t'as fait ma maison si je m'en vais, moi, faire les choses. Maman, c'est rien. Mais tu l'as rendu la fille la folle. Elle m'a demandé que la veuve, on fait comment? Va au Cameroun. Il fallait voir chaque fois que la femme voulait aller au Cameroun. Ben non. Lui, il voyageait carrément au Cameroun, hein, seul. Et quand il allait au Cameroun, il n'y avait plus de problème. Mais dès qu'il revenait, il a pris encore son petit, ou ses phones là, ou ses téléphones, ou son petit téléphone là. Enfin, attends, c'est du n'importe quoi. Non seulement tu me rends folle, tu prends mes papiers. Hein? Tu prends la maison, tu prends les enfants, tu peux encore épouser une femme, tu divorces avec moi dans le. Non. Ici, là, la fête des HLMC, c'est pour ça que ça m'étonne quand les gens se moquent de nous avec nos HLMC. Là. La fête des maisons en France, c'est un problème. Hein. Oui. Je dis que lui, il allait fort. Je dis que. Hein, fort. Les portes, elle dit que les portes claquaient seules. Parfois, elle appelle la voisine. Elle dit à la voisine que. Oui. Et vous savez que les Nkassa ont peur des marabouts, non? Les Nkassa n'aiment pas. Ils ont peur de surnaturel. Il n'aime pas attendre ça. Oui. Elle n'a pas appelé sa voisine. La voisine. Et la voisine n'a pas fait les chakras chez elle. Elle ne veut plus parler avec elle. Donc, elle était devenue. Hein. Je te dis, il a pris sa maison, divorcé, puis les enfants et tout. Et vous allez me dire que après que quoi? Moi, je suis cruel. Hein. Moi, ma petite courte femme que vous voyez ici, hein, ce n'est pas. Non, non, non. Oui. C'est Colombo. Ici, là, c'est Colombo qui a sauvé la vie. Elle dit que non, parce qu'elle croyait à ça. Oui. Il a pris la maison. Les enfants, tout. Dit aux enfants que votre mère est folle, machin, fait ceci. Voilà votre nouvelle maman ici. Oui. Et tu sais, nouvelle maman qui dit les choses ne vont pas aller mieux. Il n'y a que ma mère, celle que j'ai vu qu'elle, au moins, elle a trouvé des enfants d'une autre femme. Elle les aimait même plus que sa propre fille. Oui, il y a des gens comme ça qui ont la chance dans la vie. C'est quoi? Je parle, vous ne mettez même pas le cœur. Hé, hey, il y a 600 étoiles, maman, je travaille aujourd'hui. Hein. Corée, nickel. C'est comment? Ton nom, il est long, hein? Tu as mis tout ton nom. Corée, nickel. Ngujo. Tchelaï. Wow. Donc, toi, tu mets que toutes tes initiales, hein? En fait, mon nom, c'est Elisabeth d'Aigremont, hein. C'est mon nom là-bas. Nom de mariage, nom de veuvage. Pour vous dire que les gens sont prêts à tout, à rester au chaud. L'homme camerounais aime la facilité. Vous entendez, Warus? L'homme camerounais est fainéant et n'aime pas travailler. L'homme camerounais n'aime pas se salir. Oui. Voilà le problème qu'on a ici. Quand tu tends la main à un camerounais, lui veut seulement t'arracher le cou une fois pour partir avec. Oui. Parce qu'il y a beaucoup d'histoires comme ça. Il y a beaucoup d'histoires comme ça. Oui. Et aussi un problème, ce qu'il faut aussi parler que
Les femmes là, vous qui accouchez tout ici en France là. Un enfant, deux enfants, trois enfants, quatre enfants, cinq enfants, il y a. Tout ça, c'est l'État, non? Vous avez l'argent par mois. Vous avez même dans les 3 000 euros. Vous faites quoi de l'argent là? On donne l'argent pour les enfants. L'enfant qui a 10 ans, celui qui a 1 an, porte les habits de celui qui a 2 ans. Celui qui a 2 ans porte les habits de celui qui a 3 ans. Celui qui a 3 ans porte les habits de celui qui a... C'est quoi ça? Vous cotisez les 1 000 euros tous les mois. Vous conduisez au pays. Les enfants mangent des spaghettis. Les enfants n'ont même pas de pull vert pour porter. Les enfants n'ont rien. Vous allez chercher les habits à Emmaüs pour vos enfants. Alors que l'État donne, les enfants ont droit à tout. Même la scolarité, même les cahiers, c'est l'État qui donne. Il faut faire attention. Vous n'accouchez pas vos enfants pour la CAF. Parce que voilà aussi un problème qu'il faut parler aussi. Il y a beaucoup de problèmes qu'il faut parler ici. Oui. Il y a certains là qui chiquent chaque temps. Oui. L'enfant de 1 mois porte l'habit de l'enfant de 2 mois. C'est quoi ça? Tu vois les enfants à l'école avec les chaussures trouées et tout ça. Alors que vous prenez l'argent, l'État vous verse l'argent tous les mois. Même coiffer les enfants, une coiffure qui coûte 5 euros, vous n'allez pas coiffer les enfants. Mais moi, je ne veux pas parler. Moi, je parle ce que moi, je vois. Hein. En tout cas. Mais ouais, j'ai tout duré, non. C'est la désespérance aussi qui me fait bavarder comme ça. Parce que je suis une femme désespérée, non. Désespérée de Facebook. Donc, moi, je parle aussi ma part ici. Vous savez que moi, je parle ma part et je ne dis rien de bon. Encouragez vos soeurs à avoir des papiers. Prendre 9 mois de sa vie ici à nous pour faire un enfant. C'est quoi? Vivre avec un homme pendant 2 ans pour avoir des papiers. C'est quoi? N'est-ce pas? Tu supportes aussi. Vous supportez. Nous, si on a fait comment pour avoir des papiers. N'est-ce pas? On a supporté, ma. Il faut supporter tout. Si on vous a appris là-bas que la vie est facile, la vie n'est pas facile ici. Hein? Cherchez d'avoir vos papiers. Ici, la première des choses, c'est de chercher les papiers. Quand tu veux être autonome ici, c'est les papiers. Peu importe dans quelle version tu vas trouver tes papiers, fais tout pour avoir les papiers. Tu entends, non? C'est tout. Les gens qui vont venir vous dire là que, ah, machin, truc, moi je m'en fous, je vais rester ici en colocation. Dès que j'ai fini de construire mon immeuble, je rentre au pays, non? Tu vas rentrer au pays. Même si tu as l'immeuble, même si tu as tout. Tu auras toujours envie de revoyager. Tu auras envie de rentrer en France. Oui, parce que l'avion, bah, c'est quelque chose de quelque chose de... Les gens vont toujours aller voir ce qui se passe de l'autre côté. Si tu pars, il y a des gens ici qui ont perdu leurs enfants. Leurs maris, leurs gens au pays. Non, ils pleurent ici. Que, oh, partez, alors vous pouvez partir. Si tu pars, tu vas revenir comment? Hein? D'autres qui ont perdu leurs enfants ici. On a déjà enterré. Tu pleures ici chez toi chaque temps. Pas alors, où sont les papiers? Mais les papiers, ça ne veut pas seulement dire que dès que tu as des papiers, tu as un travail. Non, ce n'est pas que pour le travail ou quelque chose. Les papiers nous sauvent beaucoup. Les papiers, c'est le... Comment on appelle ça? C'est un sésame que d'autres... Oui, qui peuvent t'aider. À tout moment, s'il y a un problème, que peut-être que tu as un dé qui te touche vraiment, tu peux prendre l'avion, tu pars, et après tu reviens. C'est ça. Ça fait très mal quand tu entends que peut-être que ta mère d'aille, ton frère d'aille, ou bien quelque chose est arrivé à ton enfant au pays, quelque chose comme cela, ou même ici, tu ne peux pas accompagner ton enfant. Ça fait mal. Oui. Il faut se regarder les petits détails là. Hein, Warus, c'est tout. Pas que, oh, je m'en fous, machin, tout, machin. Et dès que je finis de construire ma mini-cité, je vais rester là-bas. Tu ne peux pas rester là-bas. Les gens de là-bas, ils n'ont pas la mentalité d'ici. Quand tu as quitté ton pays, 30 ans, 25 ans, 20 ans, c'est ton pays par alliance. C'est-à-dire que c'est ton pays parce que c'est ton pays, le Cameroun. Mais vous n'avez plus, tu n'as plus rien en commun avec les gens qui vivent là-bas. Ta mentalité et leur mentalité, c'est différent. Mais oui. Il faut mettre ça dans vos cibous, dans vos têtes. Oui. Oui, tu te peines de la mentalité de là où le pays, là où tu vis. Moi, je vous dis la vérité. Oui. Moi, je vais au Cameroun, après 2 semaines, 3 semaines, après, il faut que je rentre. Parce que je n'ai plus rien à voir là-bas. Les choses qui énervent, il y a tout ça. Et puis, déjà, là-bas, nous, on est connus là-bas comme les gens qui sont les caissiers, les banquiers. Nous sommes les banquiers. Quand la banquière reste il y a longtemps sur place, que la banquière, bon, ça les énerve aussi. Ils aiment entendre que hein, elle est en Paris, elle est en France, elle est à New York, elle est à Toronto.
C'est leur fierté. Comment tu vas à Toronto, tu vas encore rester, tu rentres alors tu ne rentres pas, ça veut dire qu'il y a un problème. Les papiers nous sauvent beaucoup, mes waros. Faites tout pour avoir des papiers. Parce que ça m'en fait souvent mal que quand il y a un deuil ici, tu vois une maman qui pleure son enfant. Pas alors! On va aller chercher une copine qui a les papiers. On va payer le billet d'avion aller-retour. La copine et la tontine de là-bas au pays qui va venir accueillir l'enfant, le secret de ton enfant. Toi-même, tu es ici à Paris, tu ne peux pas voyager. C'est normal ça? Quand vous parlez d'avoir les papiers, c'est ton immeuble. On vous a parlé que les gens qui finissent les immeubles, construisent les immeubles ici, après ils tombent, ils meurent. Tu as travaillé alors pourquoi? Tu es venu travailler pourquoi? Pour les autres? Tu vois les gens que leur mère meurt ici, maman. Ma mère meurt. Pas alors! Il faut partir, non? Chercher des papiers, vous ne pas chercher des papiers. Tout le monde n'a pas de vieux soulable dans, n'est-ce pas? Tu l'entraînes avec toi là, après, hein, tu le laves et tout, après, t'épouse. Tu es déjà madame, peut-être, tu as même tes 1 an, tes 2 ans, tes 10 ans, man. N'est-ce pas? Quand il y a un problème, toi aussi, tu dis que, ah, les gens vont cotiser pour les deuils. Il y a des Walos. On va cotiser, non? Un point est Boza. N'est-ce pas? Tu peux aussi représenter un peu ta famille là-bas, les petits peu que tu as. N'est-ce pas? Tu peux aussi faire que, maman est morte, quelque chose comme ça, on m'a quand même aussi vu. Même si, parce que le dé, c'est que dans tous les dés, tout le monde est décomposé. Si tu es des gens qui sont brunes, deviens rouge. Parce que c'est comme ça. Quand tu fais les gens, ça, quand il y a le dé, tu n'es plus normal. Tu deviens rouge. Ceux qui sont comme moi, ils deviennent encore noirs plus que ma chaussure noircie. C'est comme ça. Qui va dire que, ah, elles sont, parce que c'est le dé, tout le monde est triste. Mais tu viens faire le petit peu de temps que tu peux faire, tu fais ce que tu as, tu hésites. Tu parles ta part là-bas, réunion de famille, finis après les deux réunions de famille, boum, tu prends ton vol, tu rentres. C'est ça qui est ça. Vous restez ici là, à Facebook. Insultez, bah, j'aide, moi je suis free, quelque chose arrive là. Boum. Moi je suis là dans mon Airbus, je pars. Boum, je suis déjà allé. Boum, je m'en fais faire mes choses. Vous êtes déjà fait, vous êtes en train de babader, vous cherchez des tâches, les mains, tout ça. Vous insultez les gens. Je vous dis et je vous répète que mes waros. La communauté camerounaise est sans papier ici en France. C'est moi qui vous dis. Les Camerounais, la plupart des Camerounais sont sans papier ici. Quand je vous parle comme ça, vous n'entendez pas. Oui. C'est moi qui vous dis. Ils sont sans papier. Ce qu'ils aiment faire, c'est le faux. Et la prostitution. Voilà le travail. Ils ne veulent pas sacrifier même le temps. Je vais même aller. Non. En tout cas, c'est vous qui voyez. J'ai toujours parlé. Maman a besoin. Maman, l'espérade aussi est bon. Hein. Je vais commencer à boire ça. Vous voyez, la l'espoir, c'est bien parce que ce n'est pas glacé. On est déjà à quelle heure maintenant? Je sais que je vous dérange, donc je vous laisse alors. Allez faire vos emplettes. J'ai déjà trop bavardé. Et les waros. César le va passer. Mariam, Marie, Marina, madame. Et madame, tu es ici. Madame. Je vous laisse, hein, parce que je vous dérange déjà tout. Parce que je sais qu'il y a certaines personnes que si je ne quitte pas ici, ne vont pas quitter. Donc, mieux vaut que je quitte, je vous laisse. Merci pour les cœurs. Merci pour les 650 étoiles. J'espère que ce que je vous ai dit, vous avez bien compris que la fête des maisons n'est pas facile ici en Europe. Les gens sont prêts à tout. Vous prenez votre maison. Les gens sont prêts. Les gens tuent même leur mère. Il y a même les fils et leur maman qui devient amant dans la maison. Il y a les filles qui baissent avec leur maman ici. Ils deviennent lesbiennes avec leur mère. Voilà aussi un truc qu'il faut parler. L'inceste existe ici en France. Et ça existe dans notre communauté camerounaise. Voilà ce que je vous dis. Moi, j'ai beaucoup de thèmes que je veux approfondir ces jours-ci. Il y a les fils qui couchent avec leur mère. Vrai, j'ai les preuves. Il y a les garçons qui couchent avec leur tante et tout ça. Et leur mère aussi, ici, dans la communauté. Voilà le foie qui a commencé. Oui. Donc je vous laisse. J'ai à trop parler, non. Ciao.